Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vive Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vive Jésus. Vive Jésus à cette heure. Vive Jésus à cette heure. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Béni soit l'alpha et l'oméga. Béni soit le commencement et la fin. Béni soit le Dieu d'Abraham. Béni soit mon Dieu. Béni soit l'Éternel. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Qui guérit toutes nos maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, que ton nom soit exalté. Seigneur, que ton nom soit honoré. Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, que ton nom soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. L'Esprit me bénit l'Éternel. La vie me loue l'Éternel. N'âme moi loue l'Éternel. Comme moi loue l'Éternel. Au nom de Jésus. Que espace ça béni au nom puissant de Jésus. Que espace ça béni au nom puissant de Jésus. Que espace ça béni au nom puissant de Jésus. Que gloire Seigneur à espace ça dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Béni soit l'Éternel. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Qui guérit toutes nos maladies. Mon âme bénit l'Éternel. La vie me bénit l'Éternel. Famille me bénit l'Éternel. Foyer me bénit l'Éternel. Destinée me bénit l'Éternel. Projet me bénit l'Éternel. Au nom de Jésus. Que nom bon Dieu loué. Que nom bon Dieu exalté dans le ça. Que nom bon Dieu honoré dans le ça. Dans le nom de Jésus. Bon Dieu béni on a le ça. Gloire bon Dieu couvrir on a le ça. Présence bon Dieu envahir on a le ça. Puissance bon Dieu envahir on a le ça. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que nom bon Dieu loué. Que nom bon Dieu exalté. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia gloire. Alléluia gloire. Alléluia puissance. Alléluia dimension. Alléluia onction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que nom bon Dieu loué. Que nom bon Dieu exalté dans le ça. Béni soit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom 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 puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu rempli, bon Dieu faire grâce dans le moment ça. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que nom bon Dieu loué dans le ça. Que nom bon Dieu exalté dans le ça. Dans le nom puissant de Jésus.
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vive le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire. Alléluia, puissance. Dis pas ça. Alléluia, gloire. Alléluia, puissance. Alléluia, onction. Alléluia, dimension. Dans le nom puissant de Jésus. Criez, béni soit l'Éternel. Alléluia. Quel que soit à côté que vous ayez dans le moment ça, jeune fille, jeune garçon, mère et père de famille. Criez, alléluia, gloire. Levez-moi, criez, béni soit l'Éternel. Criez, béni soit l'Éternel. Dis Jésus non vivant. Dis Jésus non réel. Dis Jésus non capable. Dis tout en dame pour Jésus. Alléluia. Dis tout en dame pour Jésus. Dis toute la vie nette pour Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La vie pour Jésus. Tout ça nan moins pour Jésus. Crie alléluia gloire. Alléluia puissance. Alléluia dimension. Alléluia onction. Alléluia gloire. Crie béni soit l'Éternel. Crie béni soit l'Éternel. Crie béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Crie béni soit l'Éternel. Dis Seigneur ou grand. Dis Seigneur ou puissant. Dis Seigneur réel. Seigneur capable, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, crie béni soit l'Éternel, crie béni soit l'Éternel, crie béni soit l'Éternel. Ou même qui croit que dans un moment ça c'est seul bon Dieu qui c'est la vie, Jésus Christ c'est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Crie béni soit l'Éternel, crie béni soit l'Éternel. Dis non moins béni l'Éternel, l'Esprit béni l'Éternel. Déclare par sa bouche, dis non moins béni l'Éternel. Dis l'Esprit béni l'Éternel. Crie alléluia gloire. Crie alléluia gloire. Crie alléluia gloire. Dis alléluia gloire ça avec dimension. Dis avec conviction. Crie alléluia gloire. Crie alléluia gloire. Crie alléluia gloire. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Que soirée ça, c'est soirée visitation par vous. Dans le nom de Jésus. Que mon Dieu m'a visité dans soirée ça. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mon Dieu m'a servi, hein. Les visiteurs dans soirée ça. Mon Dieu, pape, j'aime la petite lit. Mon Dieu, pape, j'aime abandonner petite lit. Mon Dieu, qui est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus Christ de Nazareth. Il est avec toi en ce moment. Crie alléluia, gloire. Crie alléluia, gloire. Dis la vie pour Jésus. Dis la vie pour Jésus. Dis pas ça. La vie pour Jésus. Destinée pour Jésus. Dis tout en dame pour Jésus. Dis tout en dame pour Jésus. Ou même qui est en là à le sacré. Béni soit l'Éternel. Crie béni soit l'Éternel. Crie gloire à l'Éternel. Alléluia. Crie gloire à l'Éternel. Crie gloire à l'Éternel. Dis comme loue l'Éternel. Dis non moins loue l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dis bienvenue Saint-Esprit en place. Bienvenue Saint-Esprit en place. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit en place. À ce soir, ça, c'est une soirée de témoignage, de libération au nom puissant de Jésus. C'est une soirée par même qui est dans le nom puissant de Jésus. Une soirée d'enseignement de la parole de Dieu. Une soirée de la liberté, de la libération au nom de Jésus. Crie alléluia gloire. Crie alléluia gloire. Crie alléluia puissance. Crie alléluia dimension. Crie alléluia onction. Dis-moi ça. Alléluia puissance. Crie alléluia onction. Alléluia dimension. Au nom de Jésus. Dis-moi. Déclaré dans le ça, gloire mon Dieu couvris-moi, gloire mon Dieu envahis-moi, l'Esprit mon Dieu envahis-moi, dans le nom de Jésus, 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 dis au nom de Jésus, moi libre pour me servir mon Dieu, moi libre, moi pas esclave péché, moi pas esclave péché, moi pas esclave péché, dis moi libre, dans le nom de Jésus, dis-moi libre, moi libre au nom de Jésus. Dis-me déclarer dans le nom puissant de Jésus, puisque moi libre,
par Jésus-Christ, tout ça que t'es remarqué, moi, dans le ça, au nom de Jésus, déclaré sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de distraction, au nom de Jésus, déclaré dans le ça, yo sans effet, tout esprit de blocage, dans le nom de Jésus, pendant que je vais passer du temps dans la parole, mon Dieu, pendant que je vais passer du temps dans la prière, déclaré dans le nom de Jésus, tout ça que t'es fait mal pour moi, au nom de Jésus, yo sans effet sur la vie, moi, tout ça que t'es fait mal pour famille, moi, yo sans effet sur la vie, moi. Tout ça qui avait mal pour destiner, moi. Yo sans effet sur la vie, moi. Tout ça qui avait mal pour projet, moi, yo. Yo sans effet sur la vie, moi. Dans le nom de Jésus, dis-me déclarer, onction, bon Dieu, lui entraîne dans l'espace, ça. Lui entraîne dans l'espace la vie, moi. Dans le nom de Jésus. Mais quel que soit monde qui vient dans l'espace, ça, déclarer la gloire de Dieu, que le remplir, que la puissance de Dieu, que le remplir, que l'onction de Dieu, que le remplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour force, mon Dieu, lui remplir dans un moment de prière, ça. Dès que vous pouvez bailler, mon Dieu, 10 journées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous venez prier, mon Dieu. Mon cap prier, mon Dieu, la vie ou pas qu'à passer mal. Mon cap prier, mon Dieu, diable pas qu'à faire ça que vous livrez avec la vie, parce que vous en bas, zèle, mon Dieu. Parole, mon Dieu, dit dans Somme 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est forteresse, c'est force qui n'a où à cap et nous avancer dans la vie, ça. Dans le nom puissant de Jésus. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Pendant qu'on vient dans la prière, ça, dans un moment d'enseignement, ça, moi, je veux faire connaître que gloire, bon Dieu, il est là. Et même Jean-Paul, bon Dieu, dit, côté que l'Esprit, bon Dieu, y est, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Pendant qu'on parle contre vérité, hein, qui c'est la parole de Dieu, pendant qu'on parle contre vérité, ça, qui c'est la parole de la libération, la parole qui rend libre, la parole qui délivre, au nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth, wap libre et wap délivré de toute oppression ou yo, de tout ça qui t'a force senti au mal yo, de tout ça qui t'est fait sous la vie ou qui pas vient de bon Dieu yo, dans le nom puissant de Jésus. Crie béni soit l'Éternel. Crie béni soit l'Éternel. Et me déclare que moment ça, c'est un moment qui bénit parce que gloire bon Dieu là. Et au nom de Jésus, me déclare pendant tout moment ça, dans le nom puissant de Jésus, c'est pour onction bon Dieu le rentrer dans la vie yo, l'esprit de la révélation que bon Dieu m'a servi. Par le moyen de l'Esprit Saint, l'Esprit qui sent tout, même les profondeurs de Dieu. Que cet Esprit, au nom de Jésus, nous invitons dans l'espace. Cet Esprit rentre dans l'espace. Et dans le nom puissant de Jésus, révélez-nous les choses cachées. Révélez-nous les choses cachées. Afin que nous soyons capables de jouer une révélation. Et pour que nous soyons capables de bailler peuple. Et que révélation, ça, au Père de gloire. Il n'a pas perdu de gloire, libérer petit tout. Il n'a pas perdu de gloire, faire connaître que c'est petit tout. Il n'a pas fait connaître perdre de gloire, que pas esclave Satan encore. Il n'a pas esclave péché, mais c'est petit dans le nom puissant de Jésus. Que chaque jeune fille, chaque jeune garçon qui vient là, nous déclarer et nous décréter dans le nom puissant de Jésus. Tout ça que t'es contre dans le moment ça, tout ça que t'as pas mis tes dominants yeux dans le moment ça, dans le nom de Jésus, nous déclarer, yo sans effet. Oui, yo sans effet. Yo sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarer. Et c'est pour atmosphère ça, dans le nom de Jésus, les couvrir la vie, les couvrir la vie famille, dans le nom puissant de Jésus, et que toute âme forgée contre nous, yo sans effet, qu'il soit comme la balle, emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, mais que l'ange de l'Éternel les poursuive, dans le nom de Jésus, pendant qu'on va passer du temps dans la présence de mon Dieu, déclarer dans le nom puissant de Jésus, que famille ou protégée, que la vie ou protégée, que madame ou mari ou protégée, au nom de Jésus, c'est pour projet ou protéger, c'est pour foyer protéger, c'est pour projet que gagne devant l'Éternel à le protéger dans le nom puissant de Jésus, c'est pour toute sacté dans abstraction, tout projet qui était qui était dans la partie abstraction dans le nom de Jésus, il vient concrétiser dans le nom de Jésus, il manifeste dans le nom puissant de Jésus, que pendant qu'on attend les paroles, mon Dieu, la foi augmentée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et au nom de Jésus, tout ça qui était dans vous-même, qui t'a même dominé, tout ça que t'es dans vous-même, qui t'a fait comprendre que pas monde, qui t'a fait comprendre que la vie finit pour vous. Dans le nom de Yeshua Amashia, nous déclarer au nom de Jésus que tu sois libre en tant que serviteur de l'Éternel, rempli de la présence de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, moi déclare en qualité de serviteur que bon Dieu m'a libéré, que bon Dieu m'a délivré femme dans vous, moi ça pendant que vous pouvez passer du temps dans la présence de mon Dieu là. Dans le nom puissant de Jésus, que tout ça que t'es dit sous la vie, puisque vous êtes dans la présence de mon Dieu, puisque vous êtes libre parole, mon Dieu.
Et puisque la parole de Dieu, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, il est capable de transpercer âme, esprit, jointure et moelle. Dans le nom de Jésus, déclarez vos paroles, ça sous la vie. Jeune fille, au nom de Jésus, les libérez-vous, les libérez-vous, les libérez-vous, les retirez la vie dans toute sa côté, dans la volonté de mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus et au nom de Jésus. Si vous n'avez pas de force pour avancer, dans le nom puissant de Yeshua, Amashia, déclarez dans le nom puissant de Jésus que la force de l'Éternel les remplit au nom de Jésus. Car Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente de la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dans le nom de Jésus, que bon Dieu n'a qu'on levé mon, que mon Dieu n'a qu'on bâme force, libre force qu'on y amène. Au nom de Jésus, dans prière ça, prière de feu et de puissance, prière d'enseignement de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que moment ça déjà un moment qui bénit pour nous, dans le nom de Jésus, prier alléluia gloire. Quel que soit à côté que vous voyez dans un moment ça levé, mais on crie alléluia gloire. Quel que soit à côté que vous avez dans le moment, sa jeune fille, jeune garçon, mère et père de famille, crie alléluia gloire. Ou même qui a un dossier devant l'Éternel, ça fait longtemps que l'il a, les pauvres gens capables de réaliser, crie alléluia gloire ce dossier ça. Ou même qui a un dossier devant l'Éternel, marron qui dossier que lui, mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, je m'attends. Même Jean-Paul l'a dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est pas temps avec circonstances qui changeait, mon Dieu, mais c'est bon Dieu qui change les temps avec circonstances. Dieu ne change pas, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même mon Dieu, ça qui est passé avec Abraham, même mon Dieu, ça qui est passé avec Esther, même mon Dieu, ça qui est passé avec Gédéon, même mon Dieu, ça qui est passé avec peuple, dans le nom puissant de Jésus. C'est même bon Dieu ça qui l'a, je dis, dans le nom puissant de Yeshua Amashia, nous déclarer, moment ça, dans le nom de Jésus, ou même qui va prendre une chaise pour chita, ou va prendre plus mon cahier pour écrire, dans le nom de Jésus. C'est pour l'onction de Dieu, l'onction de l'élévation, qu'il rentre dans la vie, dans le nom puissant de Jésus, et au nom de Jésus, nous déclarer dans le moment ça, que vous bénis, vous bénis, vous bénis, vous bénis, vous bénis, et vous bénis dans le nom puissant de Yeshua à Machia, ou même qu'à passer du temps à prier ça, on déclare dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que même gens fidèles là, au rendez-vous, c'est pour bon Dieu maintenant qui pas jamais en retard, fidèle dans la vie, au nom de Jésus, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de bonheur et non de malheur, dans le nom puissant de Jésus, projets de bonheur, qui viennent avec la paix, que bon Dieu maintenant, moment salibo la paix, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moment salib béni. Il bénit que péché lui pardonné dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, pardonnez-moi pour mes péchés. Et au nom de Jésus, Seigneur Jésus, donnez-moi un cœur pur. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare côté que vous y a même kounia. Que gloire bon Dieu là. Que espace là dans le nom puissant de Jésus. Au son de ma voix. Que espace côté que vous y a. L'esprit de Dieu l'y entouré. Dans le nom de Jésus. Et que tout esprit de distraction. Tout esprit de distraction. Tout ça qui parle n'est pas ça qui parle glorifier le nom de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que le sang de Jésus-Christ de Nazareth coule et au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. C'est avec vous-même, pasteur Peterson Francis. Je dis encore, nous dis bon Dieu merci parce que bon Dieu bénit la vie. Malgré tout ça que l'ennemi a fait sur la vie, nous, pour être capable d'effacer nous, mais bon Dieu nous, les fidèles ayant un mal, pas capable de priver nous. Parce que bon Dieu, il est là pour nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons bon Dieu dans la vie, parce que encore une fois, ou là, et chaque soir, on est capable là, pour louer le nom de l'Éternel, on est capable là, pour pouvoir, et adorer mon Dieu, pour pouvoir dire bon Dieu merci, et ou même qu'il a, pour que connaître aussi un monde qui est très intelligent, pour qui ça? Parce qu'on connaît que le monde qui vit, pas capable de vivre sans prier. Le monde qui vit dans le monde, ça, si vous voulez réaliser quelque chose dans la vie, on pas capable de vivre sans la prière. On pas capable de vivre sans le monde qui est créé là. On va capable vivre sans cela, ça, qui te dit que faisons l'homme à notre image, mais selon notre ressemblance. Donc, cela veut dire que Jésus, bon Dieu, c'est original, là. Ou même, ou c'est ressemblance, Jésus, ça, qui dans la vie, ou là, dans le nom puissant de Jésus. Ou c'est ressemblance, bon Dieu, ça. Donc, nous venons dans prière, ça. Ou même qui fait paraître, et même, j'en ai dit déjà, nous, pas nous, c'est pasteur Peterson Francis. Nous, c'est serviteur, bon Dieu. Donc, nous comptons pour nous capables de servir par la parole de l'Éternel. Une nombre qui est très important que nous toujours dit, c'est que, quel que soit le monde qui t'a voulu réussir dans le monde, ça, il est très important pour que il est capable de lire la parole de Dieu. Très important. Non seulement réussir dans le monde, ça, il est capable de recevoir le salut, il est important pour être capable de lire la parole de Dieu. Les qui ont appris la parole de Dieu, capable de connaître bon Dieu. Les qui ont appris la parole de Dieu, connaître créateur, ou,
il est dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Maintenant, lorsque vous lisez la parole de Dieu, ou en connexion, ou du moins, ou en, je suis capable de dire que, ou en communion, ou en relation alors, avec destinée ou normalement, avec bénédiction que bon Dieu vient se laver là dans le nom puissant de Jésus. Les qui ont lit parole bon Dieu, ou qu'on promesse bon Dieu se laver. Alléluia. Ou pas capable de servir au monde sans que pas qu'on monde. Donc, si qu'on observe bon Dieu, il est important pour capable chercher qu'on bon Dieu. Et les qui ont bon Dieu, ou pas capable de connaître exactement qui ça pour dire bon Dieu ça, et qui ça pour pas dire bon Dieu ça. Même dans la parole bon Dieu fait nous connaît. Que parfois nous faisons des demandes de prière, ou pas réaliser. Pour qui ça? Parce que nous demandons mal. Parce que vous êtes là. Maintenant, lorsque vous priez Dieu selon la parole de Dieu, donc vous voyez que tout ça que vous demandez bon Dieu, vous êtes obligé de réaliser. Pour qui ça? Parce que vous demandez bon Dieu encore ça que bon Dieu lui-même dans le cœur pour demander. Est-ce que vous êtes là? Autrement dit, désir qui a venu dans le cœur ou conviction qui a venu dans le cœur ou c'est pas dans vous-même de sortir, mais vous sortez de l'esprit bon Dieu qui n'a pas. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, lorsque vous faites du Saint-Esprit la première place dans ta vie, ou après que ça que vous demandez, bon Dieu, encore y a réalisé. Pour qui ça? Parce qu'on demande, bon Dieu, parole selon l'esprit. Autrement, c'est pas vous-même qui a parlé, mais c'est l'esprit, bon Dieu, qui a parlé dans vous. Même si la parole, bon Dieu, dit. Même si la parole l'a dit. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, l'être que vous vivez selon la parole de Dieu, c'est bon Dieu, c'est Jésus-même qui a vécu dans vous-même. Maintenant, après que ça que vous demandez, vous demandez, bon Dieu, ça qui est dans volonté, dans le nom puissant de Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Bon Dieu, pas réaliser prière comme ça. Bon Dieu, réaliser prière que le web a bon pour petit. Il est bien que m'a dit bon Dieu Kounia. Bon Dieu, qui doit pas baroule, il ne peut pas baroule. Parce que le pas bon pour. Mais lorsque vous priez Dieu selon la parole de Dieu, vous connaissez exactement qui ça vous m'a dit bon Dieu dans ton ça. Et vous après que bon Dieu a baroule. Parce que bon Dieu connaît que ça que vous m'a dit là. C'est pas vous-même qui m'a dit, mais c'est l'esprit encore dans vous-même qui déclare et vous après que le fait dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Bon Dieu, bénis-nous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ok, pas de problème. Ou même qui fait paraître, prends Bibou. Et nous allons commencer à lire la parole, bon Dieu. Et à 11h45, nous sommes capables de débuter avec session de prière. À nous dit béni soit l'Éternel. Actuellement, nous gagnons un chapitre. Nous sommes capables de dire une sorte de rubrique, on dit comme ça, qui relève un chapitre chaque jour. Peut-être que chaque jour, nous lisons un chapitre dans la Bible. Mais actuellement, nous sommes dans le livre de Marc, et nous sommes dans Marc 6, je dis, nous sommes dans Marc 6, et nous sommes capables de faire une pile belle révélation dans le livre ça dans le nom puissant de Jésus. Mais ça quoi fait, même si nous avons toujours fait là, premièrement, pas oublier d'abonner à la page là, et si vous faites venir, et deuxièmement, partagez dans un pile d'autres monde, afin que vous soyez capable de jouer un moment de prière ça dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le monde qui fait venir, écoutez bien, pire ou distrait. Pas distrait. Juste chercher une petite chaise dans Kaila, même j'ai que nous toujours dit. Hop, le mot, prend Kaila, et bien tout Chita, nous prenons parler la parole de l'Éternel, nous pas capable de comprendre exactement qui ça a bon Dieu dit dans la situation ça. Et me déclare dans le nom puissant de Jésus que parole qui parle dit là, nous pas le prêcher, nous pas enseigner, nous pas parler ensemble. Vous voyez que nous pas poser des questions, nous pas capable de répondre. Maintenant, prends Bibou ensemble avec moi, nous parler exactement dans le livre de Marc 6. Marc chapitre 6. On apprend tout chapitre la net. Alléluia. Il y a une belle révélation dans un chapitre ça. Vous sentez ça? Des choses que vous pouvez comprendre exactement. Alléluia. Prends Bibou. Si que Bibou n'en met, dis Amen. Donc on est peut-être que vous capable d'en travailler dans le nom puissant de Jésus. Bon Dieu, bénis seulement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Et augmente de la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc, ne vous m'en parlez qui ça, ne vous m'en ça, t'as tout maté l'esprit, ou laissez-moi vous dire quelque chose, que force, mon Dieu, là, il y a un peu dans le nom puissant de Jésus. Et acceptez-le dans le nom puissant de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Que petit ton béni et protégé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, on nous parle de la parole, bon Dieu, qui est très, très important. Très important. On nous dit béni soit l'Éternel. Ok. Maintenant, avant même que nous commencions le chapitre 6 là, dis-moi qui ça que nous songez de Marc 1er à 5. À nous parler. Bon Dieu, bénis Gétine, Huguens, Villefran, que bon Dieu m'a servi à bénir et que bon Dieu m'a servi à passer ensemble avec au nom de Jésus. Milan Fleur, que la grâce de l'Éternel remplit au nom de Jésus. Naomi Laguerre, que bon Dieu m'a béni au nom de Jésus. Dis-moi qui ça que nous songez dans Marc chapitre 1er jusqu'à 6. Pas bon même bagaille que nous détenons déjà, non, s'il vous plaît. Nous lis Marc chapitre 1 jusqu'à 6.
Pendant que vous avez cherché, je vais juste faire un petit résumé pour tout petit. Janine Metelus, bonjour béni. Il y a une fan page là, que bonjour béni. Que bonjour béni. Gainesville Franck, que bonjour béni. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, dis-moi qui ça que nous rappelons de Marc chapitre 1 jusqu'à 5. A bien des dis-nous ça que Marc prend pendant 16 jours, parce que Marc, le livre de Marc, il y a 16 chapitres là-dedans. On a capable de parler sur lui pendant 16 jours. Dans le nom puissant de Jésus. Allez. Let's go. C'est pas prêcher qui va prêcher, mais n'a parlé. Parce que une bagarre que nous réaliser, c'est que il y a pile monde, surtout en pile monde l'église, Bible là qui ses amis yo, si on leur comme ça yo lire. Maintenant nous venons avec moment de prière ça, ou soit rubrique ça, qui c'est un chapitre chaque jour. Chaque jour on lit un chapitre. Donc on applique parole bon Dieu. Et on voit que pendant que on applique parole bon Dieu, pendant que on applique parole bon Dieu, on voit que qui commence à gagner des choses qui va changer dans la vie automatiquement. Automatiquement. Alléluia. Let's go. Allez, dis-moi qui ça que nous songez. Dans Marc chapitre 1 jusqu'à 6. Alléluia. Pendant que m'a parlé, écrit. Maintenant, une bague que moi songez, je vais essayer de voir si je songez. Une bague que moi songez, c'est que de Marc chapitre 1 jusqu'à 5, nous sommes capables de voir que Jésus-Christ les vient avec mon volonté. Nous sommes capables de voir que Jésus-Christ. Alors, écris une bagaille pour moi, dis-moi si je songez. Nous sommes capables de voir que Jésus-Christ vient avec ça qui n'est pas déjà. N'a pas capable que Jésus-Christ vienne avec des choses qui impactent le monde. Et côté que dans Marc chapitre 1, côté que Jésus-Christ qui était venu après Jean-Baptiste, Jean le Baptiseur, et Jean-Baptiste c'était dans Marc chapitre 1, il aurait lu le messager, alors qui était déjà annoncé par le prophète Esaïe, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Et n'après que dans même Marc chapitre 1er, que Jésus-Christ lui-même, il était recevoir le baptême d'eau par Jean-Baptiste. Et pendant que Jésus-Christ lui-même, il t'a baptisé, n'après que d'une action qui fait dans Marc chapitre 1er, le verset 10, il dit comme ça que, dans le moment que Jésus-Christ a sorti dans le droit, il y a une grosse action qui fait, il y a un gros événement qui passait, côté que l'Esprit de Dieu, il descend sur lui. L'Esprit, ça l'écrit à grand tout. L'Esprit descend sur lui comme une colombe. L'Esprit, mon Dieu, il descend sur Jésus-Christ comme une colombe. Et l'Esprit, ça, il est capable de Jésus force pour qu'il soit capable de faire route là dans le nom puissant de Jésus. Il nous rappelle que nous devons dire que, et ou même qu'il est en route là, on va pas capable de faire route ça sans Jésus. Du tout. C'est ça qui fait que l'idée est importante pour que, au cours de route, pendant qu'on est en route là même, on soit capable de chercher qu'on est mon Dieu plus. Ou pas qu'à faire l'évangile sans la parole. C'est ça que nous disons. Yon moun pa ka fè l'évangile sans qu'on pa prier. Non. Wout sa. Par autre pièce moun ki di nou que wout l'évangile la facile. Non, pas facile du tout. C'est ça fait que bon Dieu connaît que tellement pas facile. Il dit quelque soit moun ki me suive moi, charge quoi et suive moi. Et yon quoi pa douce. Maintenant, yon nan bagay que nous gagnons pendant que nous en wout sa, c'est que nous gagnons assurance que nous recevons le salut. Et une bague que nous gagnons, nous connaissons que dans route ça, une certitude que nous gagnons, c'est que bon Dieu est avec nous dans quelle que soit situation. Et une certitude encore que nous gagnons, c'est que en dans situation ça, on connaît que bon Dieu est là pour moi. Et quel que soit ça qui t'arrive sauver, on connaît que c'est parce que bon Dieu est d'accord pour arriver. Parce qu'on est en route là. Et si que bon Dieu est d'accord, c'est parce que bon Dieu a une raison, a un but. Et raison ça, c'est une raison de bonheur que l'est sur la vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Petit bon Dieu, pas gagné rien qui arrivait sur la ville au hasard, ni pas hasard. Nous le connaissons ça très bien. L'éco, c'est petit bon Dieu. L'éco, appelez parole bon Dieu, ou acceptez Jésus, ou faites de Jésus sauver la vie, ou venez pas un petit mis en garde, ou bien un bon Dieu qui a suivi. Non seulement, ou t'es créature bon Dieu, et maintenant, lorsque vous venez accepter Jésus, ou venez petit bon Dieu, ou venez, et capable de dire, venez petit bon Dieu même, parce qu'on a l'esprit bon Dieu dans vous-même, ou c'est image bon Dieu, ou c'est ressemblance bon Dieu. Maintenant, une chose qui est très importante que vous voulez comprendre, c'est que bon Dieu a fait en sorte que non seulement il garde les créatures, il conserve l'esprit qui n'a pas. Parce que ou bien, ou représenter bon Dieu, non seulement avec image ou ressemblance ou sembler avec bon Dieu, et avec l'esprit. Parce que l'esprit de l'éternel, il s'est représentant bon Dieu dans la vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, il sait que vous voulez dire pas là, chemin l'évangile là, il n'est pas facile. Je veux comprendre ça. Il n'est pas facile. Mais mon qualité jusqu'à la fin, il va sauver dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, il est important, dans le chemin ça, ou même qui dit qu'on va suivre Jésus,
pour capable attacher à Jésus. Et si vous êtes là, quand la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, verset 6, Jésus dit ça que je suis le chemin, la vérité et la vie. Chemin, c'est un chemin qui est très étroit. C'est l'autre chemin qui est large. Mais chemin Christian n'est pas facile du tout. Est-ce que vous êtes là? Parce que même diable a dit que la persécuter nous jusqu'à la porte du ciel. Hey! Est-ce que vous êtes là? Maintenant, lorsque vous servez Dieu, lorsque vous servez le bon Dieu, vous avez assurance que vous recevrez le salut. Côté que en pile l'autre monde, vous avez trouble, mais même vous avez la paix. Parce que Jésus-Christ libère la paix. Côté que en pile l'autre monde, parfois, vous connaissez que vous avez chargé l'argent, mais vous avez senti que vous êtes troublé. Mais toi, tu as la paix de Dieu. Et même là, qu'on va arriver avec un pile l'argent, ou bien la paix, mon Dieu. Parce que l'argent, ça, ou bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu béni. Mais c'est très important. Et après que dans même Marc chapitre 1er, côté que, et pendant que Jésus-Christ est venu représenter mon Dieu sous terre, Jésus-Christ qui venait avec, après Jean-Baptiste, ou bien que il venait représenter mon Dieu sous terre, il venait pour une mission bien, et il est capable de dire, qui est très important, bien déterminé alors, ou bien que Jésus-Christ, ça, dans Marc chapitre 1er, le verset 11, bon Dieu, il fait suer certains, puisque il voyait Jésus venir mourir pour nous. Bon Dieu voulait faire suer certains que tout le monde tendait, que lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Je vous êtes là. Et maintenant, on apprend que tout ce que Jésus, bon Dieu fait dit Jésus ça, ça c'est petit pas moins, et dans lui-même que mettait toute affection moins, et on apprend que l'esprit poussa Jésus-Christ dans le désert. Le désert, même Jacques me dit déjà, le désert, c'est un espace de formation. C'est un espace côté que l'école fait former, ou bien bâtir les maturités. Bien bâtir très important. Chrétien pas servi bon Dieu sans expérience. Chrétien pas servi bon Dieu sans maturité. Timoun pas servi bon Dieu. L'école parle de Timoun, pas parler dans l'âge. Parce que quand on a un Timoun qui a 12 ans, mais l'esprit, Miley, lui focus. Mali, c'est comme si il y a un grand monde. L'esprit grand monde. M'a parlé en termes de maturité. Si mon petit, pas capable de servir mon Dieu. Parce que, ça qui vient devant yo, c'est pas pareil, si mon même. Gobou tentation, ça, c'est pas gobou tentation. Si mon pas capable de camper devant yo. Mais c'est mon qui vient puissance, mon Dieu, en dedans yo. Maintenant, pour gagner puissance, ça, faut que son monde, qui a appelé par le bon Dieu, qui a appliqué les commandements de l'éternel. Bon Dieu béni. Amen. Maintenant, bon Dieu fait suer certain que, lui confirmer que ça, c'est représentant sous terre, Jésus-Christ. Et on parle plus devant que Jésus-Christ dit qu'on s'appelle lui-même, l'a fait tout ça que papa dit pour le faire. C'est comme s'il a poursuivi l'ordre, n'a même pas parlé. Alléluia. Bon Dieu béni, et dans le nom puissant de Jésus, nous parlons capable de voir que, dans le même chapitre de Marc, Marc 1er 2, dans le même Marc 1er 1, côté que, il y a un gros miracle que Jésus-Christ fait, et, en nous, dans le premier verset 41, côté que, il y a un lépreux, t'es accepté, et coubé devant mon Dieu, devant Jésus-Christ, et il te dit Jésus qu'on sait que, si vous voulez, vous êtes capable de guérir. Et même, comme il dit, pendant qu'il dit Jésus-Christ, si vous voulez, c'est parce qu'elle connaît que Jésus-Christ a une capacité pour le guérir. Et en l'instant même, Jésus-Christ t'est rendu pur. Alors, on ne peut pas trop détailler, c'est de son petit résumé. Si vous avez besoin de tout, vous pouvez capable d'aller dans l'autre vidéo que nous avons fait. Et nous sommes capables exactement, également, que Jésus-Christ commence à faire des miracles. Il commence à pétonner le monde dans Galilée, dans la synagogue là. En plus, le monde a pétonné, il y a besoin de ça que, mais qui est ça? Est-ce que ça, c'est une nouvelle doctrine? Et nous parlons capable dans l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons capable que l'esprit impur, dès que Jésus-Christ commençait à parler, l'esprit impur a pris en moi. A pris en moi parce que je sentis que c'était inconfortable. Dans Marc chapitre 1er, le verset 24. Alléluia. Le verset 24. Maintenant, après que Guéant lépreux qui guérit, ça c'est miracle que Jésus-Christ a fait toujours. Et après que dans Marc chapitre 2, je crois,
Alléluia. Il y a un paralytique qui est arrivé, joint libération, grâce avec la foi de 4 personnes qui étaient potées. Le côté que, pendant que le paralytique a venu, je te dis déjà, c'est ça, c'est dans son résumé, avant même que nous entrions dans le chapitre 6, il y a un paralytique, côté que, alors, il est paralysé, il est sur un cabane, et il vient ensemble avec lui, et pendant que l'avenir, il y a une foule qui campait devant. Maintenant, puisque il n'est pas capable de passer, et foule ça, il est capable, nous capable de dire que lui représente un obstacle. Maintenant, moi qui viens ensemble avec lui, ils ont dit faut que passer quand même. Et qui ça a fait par leur foi, ils ont employé une stratégie qui c'est une stratégie qui est efficace côté que ils ont passé au-dessus du toit. Alléluia. Si en bas barrière mais en l'air, ils ont pas capable barrer dans le nom puissant de Jésus. Et qui ça a passé, ils ont passé en l'air tête cala et puis ils ont retiré tête feuille toile, bon me dire comme ça parce que par contre c'est à l'époque. Tu es en étoile, excusez-moi. Et puis qui ça a passé, ils ont découvert quelques toiles et puis tout ils ont filé paralytique là sous cabane devant Jésus. Il n'a pas que Jésus dit comme ça que Jésus voit en leur foi et Jésus dit comme ça que tes péchés sont pardonnés. Et n'a pas que nous t'indiquer très important, n'a pas que Jésus dit avec paralytique là qui malade, qui paralysé côté que Paul pas capable faire rien, il dit d'abord que tes péchés sont pardonnés. Qui révèle ce que nous déjeunons dans ça. Les quoi péché ou est côté spirituel là. Pendant que Jésus-Christ a gardé paralytique là, Jésus-Christ pas ouais et paralytique là d'abord. Mais ouais, origine qui fait que paralytique là, homme ça les paralysé. C'est un péché. Qui ça nous est? Jésus dit qu'on ça que péché ou pardonné. Est-ce que vous êtes là? Et malgré que et pendant que Jésus-Christ me dit ça, même là que t'as dit là et je passe yo, dans le moment ça yo, t'es toujours un scribe yo à l'époque qui c'est les grands autobrés et des personnes qui doivent ça parler, mais y a pas vraiment de puissance mon Dieu dans yo. Et n'importe que chaque ça Jésus-Christ fait. Les scribes, ils sont toujours là. Pour que eux-mêmes, ils parlent Jésus-Christ mal. Est-ce que vous êtes là? Mais, ça, Jésus-Christ a fait, ils sont pas capables de faire. Dans le nom puissant de Jésus. Bon Dieu bénis. Et nous pas capables de voir que Jésus-Christ a fait. Pour aller faire un pilote miracle. Dans Marc chapitre 3, côté que, les guérions hommes qui ont mes qui sèchent, tout ça. Et nous pas capables de voir en pile. Alibibou pour capable comprendre tout. Et dans Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, côté que Jésus-Christ va faire un autre gros miracle encore, côté que gagnons, yes, ok, Marc chapitre 5, côté que Jésus-Christ va guérir petite fille, une dans chef synagogue qui était les Jairus, et y a Jésus-Christ va guérir, et nous parlons capable que pendant que Jésus-Christ sur route là, Jésus-Christ va capable guérir encore une fois, alors pral gagner une dame, qui c'est une dame de perte de sang, qui t'a souffert pendant 12 ans, la femme perte de sang, qui t'a souffert pendant 12 ans, et pendant que ce route-là, il dit seulement, si seulement je puis toucher les vêtements de Jésus-Christ de Nazareth, je serai guéri. Et non, parce que femme perte de sang, ça, il est guéri sur le champ. Maintenant, il y a un enseignement que nous avons fait maintenant, qui est très important. N'a pas que Jairus, m'a prédit la soirée, qui est très important. Ça, très important. L'être aussi chrétien ou dans l'évangile, gain de bénédiction ou pas supposé quitter la terre. Vous connaissez que grand pile monde qui l'église depuis 10 ans, et puis ouais que grand monde qui fait paraître monde ça l'a béni passé. Ça très important. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Tenez bien ça, on va le dire. En nous prenant contexte, royaume non, comme bénédiction. Parce que dans le royaume, bon Dieu n'a besoin de tout ça que nous besoin. Maintenant, qui ça ouais? Jairus, qui c'est un chef synagogue, vous savez bien, je dis que je ne pas prêcher, après que je suis très calme, que je suis capable de parler ensemble avec vous, et que je souhaite que dormir pendant un jour dans le nom de Jésus. Vous savez bien. Jairus, qui c'est un chef synagogue, qui s'est passé? Jairus dit avec Jésus, malgré que le connu est Jésus, il tendait Jésus Christ a fait miracle. Il dit Jésus, on a la calme, s'il vous plaît, parce que mes petits, moi, qui malade. Et là, avec que pendant la façon que Jairus parlait, je crois, c'est dans verset, alors, on va retourner la donne, parce que faut nous même, dans les Bibles, non. Ok. N'après que, ok. Dans verset, chapitre 5, verset 23, Jairus dit comme ça que, et il adresse à cet instant prière, la prière Jésus, ma petite fille est à l'extrémité. Est à l'extrémité. Cela veut dire que, si que le dit, elle est à l'extrémité, cela veut dire que, n'est-ce pas que Jairus est avec Jésus, hein, petite fille en pas là. À l'extérieur, on dit extérieur comme ça. Et puis il dit Jésus, viens impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc cela veut dire que Jairus croit que si Jésus-Christ allait,
que petite fille là, s'est l'imposé les mains, l'a guéri. Mais j'arrive pas à penser que Jésus-Christ est cadre qui était côté que lié, hein, et puis le dit petit fille là, que petite fille là guéri. Et maintenant, bon parole que j'arrive dit qui est très important, disons ça que afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Si j'arrive à dire ça que je voulais que elle impose les mains pour qu'elle soit capable de sauver et qu'elle soit capable de vivre, donc cela veut dire que j'arrive guettant connaît que petite fille là est sur le point de mourir. Autrement dit, j'arrive à cette petite fille là dans une situation, dans une position côté que lui connaît que lui pensait que si elle retournait, est possible pour que petite fille là, lui voit petite fille là mourir. Parce qu'elle était dans un état déplorable. Mais tout ce qui s'est passé, Jésus qui dit, ok, pas de problème, j'arrive, je vais là, carrément. Ou moi, je vais malgré petit film, malgré lui. Et vous entendez bien. Là, quand on est dans la fin de l'histoire, là, oui, Jésus-Christ est arrivé, guéri petit fille là. Mais là, qu'elle arrivait, petit fille est en mourir. Mais tout ce qui s'est passé, alors, on va si qu'on a suivi nous matin, hein. Petit fils a gagné 12 ans. Yeah. Petit fils a gagné 12 ans. Ok? Il était gagné 12 ans. Allez, dans le chapitre, là, il était gagné 12 ans. Maintenant, qui ça me le connaît? J'arrive, dit Seigneur, pour la Cali. Seigneur, dit, ok, pas de problème, j'arrive, s'en aller. Nous parler. Nous parler. Ok? Nous parler. Pendant que nous en route, là, pendant que Jésus puisse parler avec détermination et direction, ou du moins objectif pour que l'y aille qui est, qu'à Jairus, pour que l'y guérit qui est, petit fils Jairus, qui gagne 12 ans. Maintenant, regardez bien. C'est comme si, il y a une bénédiction qui a marché pour adjoindre, il y a 12, un petit 12. Pour adjoindre, 12, parce que petite fille, il y a 12 ans. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, dans le temps où là, pendant que Jairus lui-même manque de foi, ok, il dit, il faut que Jésus-Christ aille adjoindre petite là, où Jésus-Christ sera capable de toucher. Vous comprenez? Toucher, là, pas de toucher physique, tout ça. Donc, et même côté Jairus, tout, qui s'est passé? Pendant que Jésus-Christ a marché avec toute foule là, et d'ailleurs, depuis que Jésus-Christ a marché, Jésus-Christ à l'époque, il tournait en superstar, il tournait capable de dire, tout le monde, il tournait en étoile, comme dit comme ça, côté que tout le monde a regardé Jésus. C'est normal, des fois, faire ça qui est bon, tout le monde a regardé. Parce que l'onction crée l'attraction. Maintenant, pendant que l'onction a marché, onction hein, qui est capable de dire qu'ils sont en forme de bénédiction, qui pourra joindre petite fille hein, qui gagne 12 ans. Maintenant, dans la route, là, il y a une femme qui forçait un bagage. Car le royaume des cieux est forcé. Nous disons ça que, prend le royaume des cieux comme une bénédiction. Qui ça que nous avons, mes amis? Gamna, femme père de sang, lui-même, lui dit, si seulement toucher ou offre Jésus. Donc, il dit c'est Jésus pour venir toucher, même avec Jairus, pour Jésus qui a touché petite fille là. Il dit lui-même, si seulement toucher ou offre Jésus, m'a guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et nous parlons, dans Marc chapitre 6, question vêtement ça, il va commencer à parler toujours. Tout de suite après que foi d'amener lui-même, les films, et capable de dire, font gros bagaille dans ça. Et donc, ça nous va loin. Il dit, si je puis toucher seulement ses vêtements, je serai guéri. Maintenant, on capte là. Cette femme-là, elle t'a souffri pendant 12 ans. On allait. Petit fille Jairus là, t'es gagné 12 ans d'âge. Et de bas, les que nous avons dans la Bible, là, c'est pas juste passé sur comme ça. Bon, raison pour ça. T'as souffri pendant combien de temps? Pendant 12 ans. Et petit fille Jairus là, lui-même, t'es gagné 12 ans. Mais donc, qui ça que je me dis ou pas là? Femme là, lui-même, il n'a pas dit que c'est Jésus qui pour toucher. Mais qui ça qui passé? C'est comme si nous avons dit. Damnan, c'est comme si lui ouais tu gagnes bénédiction 12 cap marché. On parle dans route là parce que bénédiction 12 ça pratique notre timon qui gagne 12 ans. C'est comme si Damnan sentit que dans lui-même spirituellement, il sentit que dans lui-même spirituellement que ça c'est joue pas là parce que spirituellement gon bagaille 12 cap marché là. Moi me gagne 12 ans depuis que m'a souffri. Et ça Damnan dit 12 ans depuis que m'a souffri, c'est comme si moi dit. OK? C'est comme si spirituellement, lui ouais que gon bénédiction 12 cap marché. Qui s'est passé? Damnan touché Jésus dans un moment. Alléluia.
Maintenant, qui s'est passé? Bénédiction 12, ça. Pas bien dire ça, bénédiction 12, il représentait Timoun, là. Petit Jairus, qui était gagné 12 ans. 12 ans. On a même dame qui a souffert pendant 12 ans, mais qui dérobe Jésus doit se toucher. Et à l'instant même, bénédiction 12, ça, il est entré dans dame. Qui rentrait par une force. Maintenant, qui s'est passé? Jésus-Christ campé. Campé, ça symbolise retard pour petite fille. Parce que Jésus-Christ t'a pralé. Et ceci, il t'a privé. Attends, l'est que Jésus-Christ t'a privé, petit fille, il t'a joué vivant et il t'a guéri. Maintenant, il y a un monde qui force en bagaille. Il dit moi-même, c'est moi qui fait paraître dans l'évangile, forme bénie. Même si tu es là dans l'évangile, donc ou pas jamais capable de chercher bon Dieu, ou pas jamais prier, ou pas jamais chercher bon Dieu, ou pas jeûner. Et tu penses que tu peux le bénir comme ça? Oui, ou béni. Mais gros serviteur fait paraître l'église là. Yo servait bon Dieu qui fait paraître l'église là. Il dit moi-même, m'a prié, m'a jeûné, m'a cherché mon Dieu. Vous pensez que bon Dieu va bénir? Et qui s'est passé? Femme perd de sang, c'est comme si. Il retardait la bénédiction de la fille, de cette fille-là qui avait 12 ans. 12 ans d'âge. Femme perd de sang dit moi-même, j'ai 12 ans depuis que je souffre moi-même. Ah, ça se joue pas maintenant. Ça s'est passé, touche Jésus. Et à l'instant même, Jésus qui se campait dans la route là. Hé, bon monde qui touche nous. Disciples diront ça que, mais maître, ça passe. Tout le monde a touché. Il dit non. Nous sentons qu'il y a une force qui sortit dans le monde. Maintenant, qui ça passe? La foi de cette dame là, la foi de dame ça, qui a 12 ans depuis la souffrance, il dit moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui encore moi pour être capable de souffrir dans le problème ça. Je suis d'accord pour s'en peut décoller sur moi. La foi dame ça, fait une force qui sortit en dans Jésus. Obéit avec foi d'amener. C'est ça que nous sommes capables de la puissance de la foi. Et foi d'amener, ça même fait, nous sommes capables de dire, les retardés bénédictions de Tibisla qui étaient 12 ans. Est-ce que nous comprenons le contexte là? Est-ce que nous comprenons le sens là? Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus qui dit, on s'appelle, on sentit que mon force qui sortit dans moi. Et bah là, tellement étonné Jésus, Jésus qui s'est regardé pour le qui boit que l'abjouen et qui est ce monde qui fait ça. Et Jésus qui se fait un bon titre à chercher. Et c'est juste après, il vient voir que Daniel dit que c'est lui-même. Maintenant, bon parole, Jésus dit, Jésus garde lui dit que, bon, regardez, ouais, dans verset 5 là, je crois que Jésus, ok, dans Marc 5, verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi, t'a sauvé. Maintenant, qui est-ce qui sauve fille? Foi. Qui sa foi d'amener fait? Lui fait que force Jésus obéit ensemble avec lui. Ensemble avec foi. Et puis tout, qui sa Jésus qui dit? Ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Une fois que je voulais faire connaître, il avait que Jésus qui dit ça que va en paix et sois guéri de ton mal. Pendant que d'amener t'a fini de toucher Jésus, Damien dit qu'on s'appelle sentinelle lui-même qu'il est en guéri. Maintenant, pour que Jésus-Christ soit capable de confirmer guérison, Jésus-Christ dit qu'on s'appelle ma fille, ta foi t'a sauvé. C'est foi qui sauve. Parce que je ne suis pas dans le chemin pour que je me guérir, madame. Parce que je ne suis pas moi-même. Et qui s'est passé? Il dit qu'on s'appelle à l'empêche. Va en paix, ça, qui s'est passé? Pendant que Jésus-Christ a regardé dame ça, l'a regardé passer, il dit qu'on voit dame ça a souffert pendant 12 ans. La gagne passé, lui ou dame ça passé avec plusieurs docteurs, dame ça pas jamais capable de guérir. Lui ou dame ça dépensé tout l'argent, non fraction de seconde. Jésus est capable de tout passé fille. Maintenant, tout passé ça fait Jésus comprendre que dame ça pas en paix, pas de gens en paix. Et Bible fait nous comprendre ça, oui. Dame ça était toujours troublé. Non seulement docteur mangé l'argent, il pas jamais capable, non seulement dame n'a humilié. Parce qu'à l'époque, depuis qu'on fait gagner sans souli, il est humilié. Et d'un côté, qu'on n'est pas capable d'aller. Et sur nous là, et maintenant, Jésus-Christ bat la paix. Alléluia. Dans Jean 14, verset 27, Paul l'a dit, parole bon Dieu dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Maintenant, Jésus dit, non seulement Jésus dit comme ça que, foi sauvez-vous. Maintenant, Jésus-Christ par jambe baille une bénédiction incomplète. On a dit d'amener ok pas de problème ou t'es touché. Force qui n'a pas à jouer non, c'est foi qui sauve. Maintenant, Jésus Christ a continué bénédiction d'amener. Il dit comme ça que allez en paix.
En paix ça, il retire tout doute, tout trouble, tout problème, toute humiliation d'âme. Et maintenant, troisième parole que Jésus-Christ parle de d'âme, il dit, sois guéri de tout mal. Maintenant, la bénédiction est complète. Dis Seigneur, bon, mon bénédiction complète au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, bénédiction petite fille qui était 12 ans, il est retardé. À cause qui ça? À cause manque de foi de Jairus. Et qui s'est passé? Pendant que Jésus-Christ passait un bon petit temps avec dame, maintenant, pendant que la privé, il dit Jésus que petite l'a mouru. Mais Jésus-Christ, qui sait que Jésus-Christ fait? Elle rive, tout le monde dit le mourir. Maintenant, là, qu'elle rive, il y a un pile monde devant, un pile foule, tout ça après là, ouais. Et qui s'est passé? Jésus-Christ fait toute sortie. Gèdè bagay bon di parole pou fè yo, ou pa bezwen moun ka pale an pil nan tèt ou. Gèdè bagay lè ko bezwen nan mè bon di ou pa fè l nan mitan foul. Ou antre dan le sekre, ou antre nan intimite ansanm avèk bon di. Eske nou konprann? A trez enpòtan. Mè donan ki sa Jezu ki se fè, li mete tout foul la deyò. Li sèlman pran maman ti bitit lan, avèk papal, e bi toujou kwa li pran 4 nan disipl yo. Ya, jou kwa li, ya, li pran Pierre, Jacques et Jean, e bi tout frère de Jacques. Donc 4 an tout. Il est entré ensemble avec eux. Lès que Jésus-Christ rentré, dans Marc 5, le verset 38, le verset 39, Jésus-Christ dit ça, non, il n'est pas mort, mais il a dormi. Et à l'instant même, Jésus-Christ dit ça que, Talita Kumi, qui signifie, petite fille, lève-toi dans le nom puissant de Jésus. Donc après ça, petite fille enlevée, et puis Jésus dit ça que, bal manger, parce que t'es perdu fort. Est-ce que nous, ouais? Donc, dès que ça, déjà, on pas prêché, c'est juste enseignement qu'on a fait, on a expliqué certaines choses par des révélations divines dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, il est très important pour qu'on prenne parole de bon Dieu, pour qu'on ait bon Dieu. Alléluia. Maintenant, nous parlons aujourd'hui et Marc chapitre 6 qui est très important. Marc chapitre 6 qui est très important. On allait nous parler très rapide et que révélation ça a eu, guéri la vie dans le nom puissant de Jésus. Non, allez, point de vue. Marc chapitre 6, qui ça qu'il dit? Jésus parti de là. Ok. Jésus retourné à Nazareth. Let's go. Ok, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, la patrie de Jésus. Les bails de patrie où est pays, où est nation, où est famille, où est héritage. Donc cela veut dire que si que Jésus allait à Nazareth, donc cela veut dire que Jésus part à Nazareth. Donc Jésus tire l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans verset 1, ses disciples suivirent. Verset 2, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ah bien, disons ça que synagogue là, c'est un lieu de rencontre culte, c'est un lieu de prière, côté que il y a même des hommes politiques qui étaient les probas pour des hommes politiques qui étaient passés là, des gros têtes qui passaient là. Mais Jésus-Christ était toujours à l'enseigner dans la synagogue, qui bon, dans la patrie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Nous nous étonnés, il a dit, mais Jésus qui s'est fait qu'on est en main. Quand est-ce que Barès a l'affaire? Donc cela veut dire que Barès a eu nouveau pour Jésus-Christ de Nazareth. Dans verset 3, Nayo dit ça que, n'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie, oui. Le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. C'est un petit charpentier, hein? Petit étel, oui. Oui, c'est que j'ai des petits cailles là. Ou pas songer. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ses sœurs ne sont pas. Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et donc, nous avons dit ça aussi. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit sur la page là. Parce que nous avons fait un pile de religion qui a fui, moi, des catholiques, des protestants, des adventistes. Bon, parce que non, nous n'avons pas parlé de sabbat, nous n'avons pas parlé de religion, nous n'avons pas fait ça. Mais nous voulons quitter la parole là, entrer dans le cœur. Tenez bien, nous n'avons pas développé un, mais nous comprenons. Il s'est dit, et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et, il était pour eux une occasion de chute. Et ses sœurs, en allez, s'il vous plaît. Maintenant, verset 4, let's go. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. On voit que le plus souvent, que Gédémon qui ont puissance dans lui, qui ont bagarre dans lui, famille vraiment pas jamais reconnaître exactement. On dit la plupart des temps, famille pas jamais reconnaître vraiment que le puissance en aller. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez que Jésus-Christ pas vraiment capable de faire miracle dans la patrie.
Pour qui ça? Parce que pour un monde faire miracle dans la vie, faut qu'on même croit dans monde ça. Parce que tout se fait par la croyance. Si on ne pas croit qu'on capable guérir, ou après qu'on pas jamais capable guérir monde ça. On fait tout ça ou voulez, on met prier pour monde ça. On pas jamais capable guérir. Pour qui ça? Parce que monde ça pas croire dans vous. Mais on après monde qui pas même connaît ou même, il a recevoir bénédiction qui dans la vie là. Est-ce que vous voyez? Donc mes amis, sorti de piège ça, même si que mon a sorti dans famille nous, mais reconnaître que grâce bon Dieu dans la vie. Maintenant, qu'est-ce qui passe dans verset 5 là? Disons ça que il ne put faire là aucun miracle. Jésus-Christ pas jamais capable faire deux grands miracles en disant comme ça, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. N'après que dans Marc chapitre 1er côté que Jésus-Christ t'est guéri un homme qui t'est gagné un esprit impur sur lui pendant que Jésus-Christ a parlé et tout esprit impur là commencé après là mourir dans sa là dit on ça que est-ce qu'on venir pour capable faire nous perdu maintenant qui ça que nous comprendre dans verset 5 là cela veut dire que tu n'as que Jésus-Christ fait aussi juste imposer les mains bagasse quand même il fait quelques miracles et puis on ça que si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus-Christ est étonné de incrédulité. Qui bon? Moun nan patril, moun nan pays, moun nan famille, moun nan entourage. Mes amis, il est très important pour nous reconnaître bénédiction avec grâce bon Dieu qui dans la vie famille nous. Les que nous voyons que bon Dieu a utilisé au quoi dans les. C'est pas ça. Nous capable que moun ta la béni en pile l'autre monde et puis tout nous-mêmes nous va jamais béni. Pas oublié. Pour moun béni la vie encore, faut qu'on croit dans bénédiction qui dans les. C'est très important. Même si le monde s'est mangé ensemble avec vous, il t'a donné son même carbone ensemble avec vous. Mais quand il s'agit de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, respectez ça. Donc, parce que l'être que le monde s'est apagé sous l'onction de Dieu, c'est pas lui-même qui a apagé, mais c'est l'onction bon Dieu qui a apagé dans lui. Donc, l'apagé sous l'onction qui même plus grand que lui-même. Bon Dieu bénis. Maintenant, on allait, n'après un verset, ok? Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Maintenant, Jésus qui s'est parcouru le village qui est alentour de la patrie, il a enseigné. Verset 7. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux par deux en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Verset 8. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Verset 9. De chausser des sandales, ok, et de ne pas revêtir de tunique. Verset 10. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Verset 11. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ça que nous comprenons de là, c'est que, bien mon nom est Kouem, qui n'est pas jamais prendre l'évangile d'amour. Jamais. Mais il est important nous-mêmes pour que nous capables d'avoir l'évangile. Vous êtes là. Il y a un passage que nous tapons dans la Bible, je ne pas vraiment rappeler, mais lisons ça que méchant, ce n'est pas le monde qui a fait mal là. Mais méchant, c'est le monde qui a des paroles là, mais qui n'a pas accepté les paroles là. Donc, nous, c'est méchant et c'est méchant. Verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassèrent beaucoup de démons. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Il s'en a préféré écrit à la troisième personne du pluriel. Maintenant, Jésus-Christ a disciple le pouvoir de chasser les démons. Donc, Jésus-Christ voyait avec Zam Nameo, il va commencer à chasser esprit impur. Et n'après que disciple commencer à faire miracle, comme si c'était Jésus qui a fait miracle. Autrement dit, les démons, pas disciple vraiment, mais ouais, Jésus qui t'est imposé les mains avec disciples. Et dans verset 14, ça qui est très important, le roi Hérode, pas bien disons ça qu'à l'époque, on a dit ça déjà, sous temps Jésus, c'était roi Hérode le Grand, qui était et roi dans la période ça. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez juste qui voit que roi Hérode vient entendre parler de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? Lès que vous avez l'onction de Dieu dans la vie, lès que vous travaillez pour bon Dieu, vous parlez que des gens qui ne connaissent pas, qui ne peuvent pas commencer à connaître. Oui, ça, parce que ça qu'on fait, une lumière pas capable de cacher, du tout pas. Une lumière faite pour le briller. Maintenant, tout ça qu'on fait, c'est lumière, vous pouvez briller. Et ceci, il y a briller, vous allez très loin. Vous pouvez que même moi et vous, qui n'y a la même, qui s'est capable de parler de Jésus. Et vous pouvez que le disons ça que,
dont le nom était devenu célèbre. Donc maintenant, Wap et c'est comme s'il sentit que Wap était menacé. Il y a un monde qui est plus célèbre que lui dans la zone. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et ce n'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Wap et dit comme ça que c'est Jean-Baptiste que lui-même était fait décapiter, hein, qui ressuscité des morts. Parce que c'est Wap et qui était tué Jean-Baptiste. Nous voyons pour qui ça. Dans verset 15, lisons ça que d'autres disaient, c'est Élie. Il y a des gens qui disent c'est Jean-Baptiste qui ressuscitait, même Jean-Wap et Wap dit. Mais il y a des gens qui disent ça que c'est Élie qui ressuscitait tout. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Maintenant, ils qualifient de Jésus-Christ comme l'un des prophètes. Verset 16. Mais Hérode, en apprenant cela, disant, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Et on dit ça que Jean-Baptiste, là, pas bien nous disons ça que Jean-Baptiste, c'était le messager qui était venu pour aplanir, pour préparer le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Qui s'est passé? Hérode, le roi Hérode. Qui par contre, qui ça vous le dit encore? Parce que, il y a des bails qui ont fait, en plus, on a pétonné, on a dit, mais, quand je mets puissance, ça, qui s'est passé? Ou après, il y a un peu de monde qui a spéculé. Qui a dit ça que pas supposé dire. Qui s'est passé? Hérode dit comme ça que c'est Jean-Baptiste qui a été fait décapiter, qui ressuscité. Est-ce que nous, là? Donc, autrement dit, je me sens que Hérode commence à peur. Parce que, n'après plus devant, lui fait décapiter Jean-Baptiste sans raison. Pour ne pas supposé faire. Mais tu commences à avoir peur. C'est comme si mon nom était mort qu'on allait ressusciter. Dans des Hérodes encore. Dans verset 17, c'est là que ça que dit. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Donc ça lui fait comprendre que Philippe, ok, bon, je vais dire encore, apprenez bien encore pour nous, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait fait, parce qu'il l'avait épousé, ok? Dans verset 18, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Verset 19, Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Jean t'a défendu en bagage parce que lui dit à Hérodias, donc, il n'est pas permis pour qu'on capable épouser et frère Mario. Alors, excusez-moi. Ok, frère Mario, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous qu'il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Excusez-moi. Il n'est pas permis qu'on capable bien, madame, frère, là, et Jean a parlé avec Hérode. Il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. À savoir qui est Philippe. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. C'est comme si Hérodias abdi Jean, pas entrer bouche dans ça. Ça pas gardé ou. Je prends mon peu me voulait et me finir. Et dans verset 21, mais elle ne le pouvait. Maintenant, on voit que Hérodias te voulait tuer Jean. Parce que Jean rentré dans la bouche qui n'a pas gardé. Qui pas gardé. Bon, pas dit pas gardé. Pour Hérodias, ça n'a pas gardé Jean. C'est comme si Hérodias a dit qu'avec Jean, ça c'est business spam. Ça va gardé. Ça va me faire comprendre que, attendez bien, il y a quelques monde dans l'évangile qui a fait des choses qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu. Il connaît que le pape. Mais à cause de l'endurcissement des cœurs, il doit jouer un avantage là-dedans, il doit se traiter là-dedans. Mais il y a un monde qui a dit, hé, c'est bon, ça fait pas bon. Et voilà, parce que le monde a dit que ça n'a pas gardé pas frais bouche dans ça. Mais donc, ça qui est important, c'est que, ou même qui c'est chrétien, on suppose toujours parler vérité, tout le côté passé. Et nous parlons à cause que Jean-Baptiste est entré bouche dans ça, bon, on dit quoi ça? De des choses qui s'est passé, ou après qu'il y a coupé tête Jean-Baptiste. Mais bon, ça s'est passé, Jean-Baptiste est ouais, vérité, hein? Il parle. Qui s'est amené au palais? Attendez bien. Par contre, ça a dit, mais m'a dit quand même. Il y a quelques vérités, l'air dit, yo, yo, tout marche avec un bagage. C'est ça fait que lui très important. Et il y a des bagages avant dit tout, pensez avant, on ne pas parler paroles là, non? Mais ouais, n'a qui niveau qu'on capable parler pour que ça pas causer trop de dégâts. OK? Ça passe. OK, nous parler là et n'a point que dans verset 20
OK? Dans verset 19 là, Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Dans verset 20 qui est très important, nous pas loin. Mais elle ne le pouvait pas car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Hérodias était toujours voulu tuer Jean, mais il n'est pas capable parce que Hérode t'aimait Jean. Hérode t'aimait Jean-Baptiste. Et Hérode était toujours à prendre plaisir pour la coûter Jean-Baptiste. Il s'en apprend dans verset 21. Cependant, un jour propice arriva. Un jour propice pour qui est-ce? Pour Hérodias. Un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Maintenant, non festin, n'a pas d'alcool, cap séparé, il y a bon boisson, cap partagé, vous comprenez? Il y a tout le bagaille. Maintenant, dans verset 22, qui ça va le passer? Donc, ça ne me joue pas là. Donc, cela veut dire que n'a festin ça que Hérode content. La boue alcool, donc. Parfois, tout, il y a un monde qui a boire l'alcool, comme ça, c'est comment c'est pas clair. C'est très important. Après, tout pense qu'il n'est pas là, tout le sédit n'est pas là. Et qui ça nous parle? Dans même festin ça, la fille d'Hérodias, petite Hérodias, il est entrée dans la salle, et elle dansa. Maintenant, elle a dansé devant le roi Hérode. Elle a dansé, tête Hérode partie. Elle a dansé. Et plus à Hérode. Il n'y a pas que vous le connaissez que. Ok. Hérodias, t'es une petite fille. Je sens que, ben, elle a tellement fait Hérodias mal, parce que Jean-Baptiste est rentré dans le dossier, dans le bar qui n'a pas gardé. Je pense que parfois, Hérodias a parlé avec petite fille, l'a fait des incapables de dire, il a essayé de parler entre eux-mêmes, qui ça que vous êtes capable de faire pour éliminer Jean-Baptiste. Maintenant, on voit pas que verset a dit, le moment propice. Donc, ça que le capitaine est arrivé. Qui s'est passé dans verset 22? Ok? Maintenant, dans verset 22, la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plus à Hérode et à ses convives. Petite fille d'Hérodias a dansé dans la salle là. Il fait tout le monde plaisir net. Donc, sûrement, c'est une belle petite fille. Bon bagay. Le roi dit à la jeune fille, le roi, bon dit, puisque c'est non festin avec tout l'alcool là dans la tête, là, venez devant petite fille Hérodias là. Les îles comme ça. Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Ça fait que le 13 est votre mes amis. Nous-mêmes, les que nous avons l'alcool dans la tête, nous faisons attention, s'il vous plaît. Parce que nous avons un café, nous disons, regrette. Ou pas que nous avons l'alcool dans la tête, nous sentons sous couleur, tout ça, ok? Nous sentons sous couleur. Et qui s'est passé? Après que Hérode dit comme ça que demande-moi ce que tu voudras. Mande-moi ça, les petites filles. Oh, ma baoule. Et je te le donnerai. Avec tout l'alcool là, notre tête. Dans verset 23. Et puis, mais ça crée là, dans verset 23. Il ajouta avec serment. Ils ont ça, mais sermenté, petite fille. Mande-moi ça, ma baoule. Alcool là, notre tête, monsieur. Qui s'est passé? Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Oui, me fais seulement ça. Même si que ça va coûter moitié royaume moyen. Fu! La moitié du royaume. Verset 24. Et ton sorti, maintenant, petite fille, hein, c'est petite fille maman que lié. On peut voir l'action qu'elle fait là, donc ça prouve qu'elle a une communication, une union avec maman. Il sorti de là. Petite fille, par contre, qui s'est demandé maman? Il couille à côté de maman, il dit moi comme ça que. Elle dit à sa mère, que demanderais-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Le moment propice était arrivé. C'est comme si son bac que yo t'attend. Bac que yo t'a cherché en l'air aujourd'hui à terre. Qui sa maman dit Hérodias, il dit on ça besoin de tête Jean-Baptiste. Verset 24, il est en sorti. OK, verset 25. Maintenant, elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur le plat la tête de Jean-Baptiste. Autrement dit, c'est pas petite fille qui m'a dit, parce que petite fille n'a pas compte qui savent te demander et wa. Mais c'est maman qui m'a dit. Pour qui ça? Parce que tout désir même, c'était ouais, que Jean-Baptiste lui-même l'y retirait. Maintenant, qui ça nous parle? Le roi fut attristé.
Mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. C'est comme si nous n'avons pas dit, pendant que nous avons l'alcool, l'alcool dans la tête, il dit une parole, n'importe parole, et puis tout, pendant que nous disons que ça a voulu, tête est venue de la même côté. Il est attristé. Et qui s'est passé? Nous avons que, sur le champ, puisque M. était en fait serment, dans verset 27 ans, il dit, il envoie sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donne à la jeune fille et la jeune fille la donne à sa mère. Est-ce que vous voyez? Ah, très, très important. Maintenant, dans verset 29, les disciples de Jean ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Jean alla encore. Le verset 30, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Le verset 31, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Verset 32, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Verset 24. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient contre eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner. Ok. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Très bien. Ça, c'est important pour nous comprendre là. Tout côté que Jésus est, à cause de ça que Jésus a fait, toujours gain moun là, toujours gain pile moun là. Et on prend dans verset 34 là, pendant que Jésus ouais moun yo a venu, Jésus fut ému de compassion pour eux parce que Jésus-Christ ouais na eux même comme des brebis qui n'ont point de berger. Li ouais que yo pa gen maître, li ouais que ce sont des personnes qui besoin secours, li ouais que ce sont des personnes qui même grand bon, des personnes qui humiliées, des personnes qui abandonnées, des personnes qui cherchent un bagage que yo pa joindre déjà à l'époque. Mais yo était ouais dans Jésus. Vous êtes well dans Jésus. Maintenant, une bagaille très important. Jésus-Christ fait un bagaille en premier. Vous bien? Prends ça. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Avant que Jésus baille au manger physique, Jésus baille au manger spirituel. Vous comprenez? Ça très important. Avant même que Jésus-Christ baille au manger physique, Jésus-Christ fait en sorte que lui enseigne eux. Et leur enseignant. Donc, ou même tout va enseigner. Ou va lire la parole de bon Dieu. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, lorsque vous lisez la parole de Dieu, bénédiction bon Dieu la rentre dans la vie plus facile. Et bénédiction bon Dieu la débouché sur guérison dans la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour qui ça? Parce qu'on lit la parole de bon Dieu et on va appliquer la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est très important. Maintenant, le verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Verset 36. Qu'est-ce qui s'est passé? Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers? Et leur donnerions-nous à manger? Verset 38. Et il leur dit, Jésus qu'on a mis ma parole ensemble avec eux, combien avez-vous de pain? Allez voir, combien de pain que nous gagnons? Ils s'en assurèrent et répondirent, nous gagnons seulement 5 petits pains et 2 petits poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Verset 40. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Mon Dieu, Jésus fait au chita. Jésus prit les 5 pains et deux petits poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule, et il partagea aussi les deux poissons entre tous. Maintenant, Jésus-Christ ouais mon yo qui gambo. Alors disciples ouais mon yo qui gambo, et disciples yo, elle dit maintenant que mais qu'on a peur pour moi. Peu de côté dit que, ou ému de compassion pour yoa, mais ou gang ou kounia, qui soit fait pour yoa, mou n'a pas besoin de parole là kounia. C'est important, mou n'a besoin de manger kounia.
Il y en a plus que Jésus-Christ, c'est le bon berger. Donc, Jésus-Christ, c'est un monde qui mature. Donc, Jésus-Christ, qu'on ne s'accable bon pour petit lé, il qu'on ne s'accable pas besoin d'un moment. Dans le disciple, qui ça que nous gagnons? Nous disons seulement, nous gagnons deux pains. Alors, laisse-moi voir. Ok, disons ça que nous gagnons seulement. Ok, nous gagnons sept pains et deux petits poissons. Maintenant, Jésus-Christ, par pouvoir qu'il gagne, il multiplie pain ça yo avec poisson ça yo en plusieurs. Et là, pendant verset 41, il prit les cinq pains et les deux petits poissons et levant les yeux vers le ciel. Vers le ciel. Est-ce que nous comprenons ça que fait là? Jésus-Christ connaît que les papes viennent accomplir une mission pour peut-être pas. Jésus-Christ connaît que il était accompli une mission pour papa. Maintenant, Jésus-Christ, c'est comme si dans un moment ça, thank you, c'est comme si dans un moment ça, Jésus-Christ prend 5 pains, 2 petits poissons, les qui me prend 5, moi plus les par 2, les minimum 7, qui c'est le chiffre de la perfection. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ levait les yeux vers le ciel. D'où me vient là le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Dans un moment ça, Jésus-Christ besoin d'être papa. Parce que Jésus-Christ n'est pas capable de faire rien sans papa. Non. Il levait les yeux vers papa. Qui ça que je me dis ou pas là? Il y a quelques situations qui peuvent paraître devant. Monde qui te dit que il a fini faire promesse sur la vie là, à côté et parler ensemble avec lui. Jésus qui Jésus, il levait les yeux vers le ciel. Il a parlé avec papa. Seigneur, dans un moment ça, papa, peuple besoin manger. Nous avons seulement 5 pains, 2 petits poissons. 2 petits poissons. Dans le nom de Jésus, c'est comme si on a fait prier là. Seigneur, qu'on y a même que manger est venu. Et à l'instant même, les 5 pains, 2 petits poissons étaient multipliés. Avaient multiplié alors. En plusieurs. Et on voit que, dans verset 42, tous mangèrent et furent rassasiés par seulement 5 pains, 2 petits poissons. Lorsque vous fixez les yeux sur mon Dieu, si ça que vous avez dans mon âme, la multiplier. Si bénédiction que vous avez dans mon âme, Jésus-Christ, Dieu, est le Dieu multiplicateur qui peut multiplier les petites bénédictions que tu as. Maintenant, il y a une chose qui est très importante. N'importe que Jésus-Christ n'a pas besoin de pain, de poisson pour lui. Jésus-Christ a besoin pour l'autre monde. C'est très très important. Nous disons ça déjà, c'est un enseignement que nous n'avons pas prêché. Ou nous disons que nous vraiment calme. Il n'a pas besoin pour lui. Il a besoin pour l'autre monde. En tant que leader, en tant que monde qui dit qu'on observe bon Dieu, parfois il faut qu'on vienne dans une situation pour l'autre monde tout. Et c'est ça qu'on vient dans le et c'est où l'autre monde. Dis-moi de partager l'ensemble avec l'autre monde. Je vais bénir l'autre monde. Maintenant, lorsque vous agissez ainsi, vous allez pouvoir, alors pas capable ouais également, la bénédiction abondante de l'Éternel dans ta vie. Qui s'est passé? Parole bon Dieu dit, mon cap baille à grosse foi. Jésus-Christ est voulu baille. Mais Jésus-Christ est seulement 5 pains, 2 petits poissons. Maintenant, il adresse avec bon Dieu qui au-delà de pain, qui au-delà de poisson. Et puis, bon Dieu, ça, les multiplier 5 pains, 2 petits poissons ça, en plusieurs. Et nous parlons que dans verset 42, hein? tout le monde mangeait et venture rassasié, venture plein. Et ça, c'est bel là, il y a même reste qui était. Dans verset 43, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Et il y a même bien reste toujours. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. 5000 hommes. 5 pains transformés plus que 5000 hommes. Et en plus de 5000 pains. Raison qui fait que je me dis plus que 5000 pains parce que il y a 12 paniers pains crétés. Aussitôt près, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait
la foule. Jésus voit foule là aller pendant que les filles baillent au manger. Verset 46. Bon, moi qui est là. Dans le verset que nous sommes liés, n'a pas que le monde seulement, pas seulement besoin de parole, mon Dieu, pour vivre. Il y a besoin de manger tout pour manger. Donc, ou même, là, qu'on va prêcher l'évangile, il y a un côté, si qu'on a une possibilité, marcher avec quelques petits bagages dans le monde pour bailler mon Dieu. Parce que le monde, c'est pas seulement parole là, il y a besoin. Ou après que Jésus-Christ finit enseigner, Jésus-Christ sentit que au grand goût, Jésus-Christ baille au manger. Mais Jésus-Christ fait en sorte que d'abord, il baille le pain de vie. Il baille la nourriture spirituelle. Et après ça, il baille la nourriture physique. Maintenant, lorsque vous prêchez l'évangile, et c'est capable de boire qui n'en manque dans le moment ça. Si vous avez un monde où il y a besoin, et vous bon petit baille capable de baille, vous sentez que vous en manque, bah, un petit bagage. Et avec le peu que tu as, tu peux faire mieux. C'est ça comme Dieu? Avec le peu que tu as, tu peux faire mieux. Avec petit sac au guerre. Jésus-Christ a gagné seulement 5 pains, 2 petits poissons. Et avec la foi que le gagne, il multiplié plus que 5000 pains. Mais Jésus-Christ voulait tout aller, tout à la caillou. Et dans verset 58, il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire à la quatrième veille de la nuit environ. Et il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Bon, ça nous connaît déjà. Dans verset 50, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés, aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 51, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Verset 52, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Même disciples ne peuvent pas comprendre le miracle de ça. Bon, on ne peut pas développer ça. Verset 53. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et ils abordèrent. Verset 54. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt connu Jésus parcoururent tous les environs et l'ont se mis à apporter des malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'ils étaient. Verset 56. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher, même pas une dérivée là, de toucher le bord de ses vêtements. Comme garder sinon intelligent. Le bord de ses vêtements, ça, avec qui est-ce que lui fait nous, qui est-ce que lui fait nous rappeler, non? Femme perd 200, dans Marc chapitre 5. Si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Mais dans qui ça passe? L'impossible, l'improbable pour que le monde soit assisté avec miracle, femme perd de sang, ça. Il est seulement que capable de toucher. Mais maintenant, on voit après que, dans verset 56 ans, qui ça dit, on le priait de leur permettre, pure seulement, est-ce que vous voyez? Pour Jésus capable seulement permettre, pure seulement toucher. Vêtements, pour qui ça peut capable guérir et tout guérir. Qui ça me dit pas là? Il y a un modèle de foi qu'on gagne dans l'évangile. Il y a un modèle de foi qu'on gagne et la caillou. Il y a un modèle de foi qu'on gagne dans la maison, dans l'assemblée côté que vous vivez, côté que vous fréquentez alors, dans l'entourage ou dans la zone. Modèle de foi ça qu'on gagne, il est probable, il est possible pour l'impacter la vie de l'autre monde. D'une façon que moun sa ouè que kwen nan bon Dieu. Moun kap gade ou, moun ki pa kwen nan bon Dieu. Ou même en tant que lumière par foi ça, et ouè que à cause de foi ça, grâce avec foi ça qu'on gagne, ouè que gade ou baga ki réalise nan vie éternelle. Oh! Oh! Maintenant, pa mdo pa ouè, ou pa le créer automatiquement, pas des ennemis. Ou pa le créer des imitateurs. Pour qui ça? Parce que aussi en étoile, aussi en lumière. Maintenant, lorsque vous permettez avec bon Dieu, parfois qu'on ait fait de grandes choses dans la vie, ça c'est un moyen d'évangélisation. Maintenant, vous voyez que même causer le bord de ses vêtements, ça que femme perd de sang, t'es dit dans lui-même, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, ou du moins ses vêtements, je serai guéri. Maintenant, ça va commencer à appliquer.
On peut connaître pas seulement, c'est pas seulement femme perdre de sang, non, qui pas seulement voulait toucher le bord de ses vêtements. Il y a une multitude de personnes. Quand on dit Jésus, si seulement nous permettons de toucher bord vêtements seulement, nous avons guéri. Est-ce que vous voyez? Lumière parfaite pour que le capable en bas cabane. Lumière parfaite pour que le capable et en bas chana, même je ne connais pas. Mais lumière faite pour rester en l'air ou c'est lumière. Et nous capable sentir dans moment ça gagne puis mon qui c'est lumière mais on cacher lumière ça dans ou. Non. Ou la pour éclairer. Et ceci on va saisir ouais gens que lumière ça la éclairer. C'est pas lumière par que lui mais c'est lumière c'est Esprit qui dans la vie. Et on va saisir ouais les ko bay alléluia. Les ko bay place avec bon Dieu dans la vie, on va saisir ouais gens que l'autre monde a vienne joindre Jésus. Pour qui ça parce qu'on va briller. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un monde qui bat place avec bon Dieu dans la ville pour que la lumière ça brille. La lumière ça pas jamais si soit briller. Au contraire, on va briller plus toujours. Alléluia. Maintenant, lorsque vous brillez par la puissance de l'Éternel dans la vie, comment ça va le passer? Vous va créer l'autre petite lumière tout. Monde qui prend prise dans haut. Vous comprenez? Il a prend prise dans haut. Elle crée l'autre côté, on va faire des pépinières. Maintenant, lorsque vous avez un talent, quand on parle de lumière, on est capable de dire que c'est synonyme de talent, ou du moins de ça qu'on gagne vraiment dans nous-mêmes, qui est capable d'utiliser l'autre monde. Lorsque bon bagage la carrière, on est capable de faire. Fais le carrière, bon Dieu. Et maintenant, pendant qu'on va briller, non seulement qu'on va briller sous la ville, l'autre monde, on va briller sous tête autour. Si on va briller sous l'autre monde, la carrière, on n'est pas capable de sans lumière, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez que nous prenions sens révélation, là. Brille avec ce que tu as. Et comme je viens de le dire, avec le peu que tu as, tu peux faire mieux. Chaque croyant guillotier était celle de lumière, était celle de feu dans la vie. Maintenant, où doit faire lumière ça, du feu ça, lever dans la vie. Par quoi? Par l'obéissance de la parole de Dieu. Vous pouvez créer tout de suite, ça nous capable de même, j'en dis déjà, des imitateurs. Et gardez-vous après dans les autres, non? Ok, allez bien. Même ça qu'on t'a fait, que moun t'a personnalisé pour l'IA, c'est même ça qu'on parle que yon moun, deux moun, trois, quatre, cinq, six, sept, jusqu'à yon multitude de personnes a fait la même chose que yon t'es pas comme moun fou pour l'IA. Pour qui ça? Parce que tu as fait une chose qui porte un résultat efficace. Et moun ça fait que l'efficace, c'est parce que vous attachez avec la bénédiction de Dieu. C'est parce que vous attachez avec la parole de Dieu. C'est parce que vous attachez ensemble avec source énergétique ciel. Vous attachez avec ça que vraiment vous y est. Parole de Dieu dit dans Genèse. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il qui ça? Et qu'il domine. Bien pile monde dans toutes ces images, mon Dieu, mais quel monde qui peut dominer. Maintenant, lorsque vous avez illuminé le cœur, lorsque vous avez brillé sur la vie, là, tu domines. Autrement dit, une personne qui domine, c'est quelqu'un qui marche dans la mission que bon Dieu lui-même t'a voué. Là, m'a brillé, m'a dominé. C'est ça que je vous dis, il y a une grande différence entre le dominé et le dominateur. Il y a un monde, c'est le monde qui a dominé sur vous. Maintenant, lorsque vous quittez le monde qui a dominé sur vous, le monde qui a manipulé les gens que vous voulez. Mais venons même là qu'on va dominer ce monde, pas manipuler, mais impacter. Impacter positivement. Que bon Dieu bénisse nous. Que grâce bon Dieu remplisse nous. Que sagesse bon Dieu qui n'a pas parole là. Et moi, garantis, une certitude que je gagne, c'est que pendant que vous attendez les paroles là, vous bénissez. Et, Gumba qui vient dans l'esprit, moi, pendant que vous attendez les paroles là, vous avez des idées qui montent dans l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Puissance qui n'a pas parole là. Il y a quelques réponses qu'on a besoin dans le moment ça. Les paroles là. Cherchez bon Dieu dans la parole là. Tu as été créé à l'image de Dieu. Maintenant, pour comprendre ce Dieu là même dont on parle, il faut qu'on lit bon Dieu. Voici Dieu. Lis bon Dieu. Comprenez? Tout ça. Et Gomba qui m'a dit encore, très bien. Lorsque on connaît bon Dieu, on va arriver à faire des expériences avec mon Dieu.
Est-ce que vous voyez? Et connaissez expérience ça yo, il a débouché sur connaissance. Et connaissance ça yo, il a débouché sur maturité. Maturité ça yo, il a débouché sur bénédiction pour Dieu dans la vie. Levez-moi, nous allons prier ensemble. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans le sang. Moi bénis non et moi exalté non pour bien faire. Moi bénis non, Père de gloire, parce que c'est bon Dieu, moi. Et pendant que Père de gloire, il prend le sang, Père de gloire, qui sont leurs protecteurs, qui gagnent pile expédition, qui gagnent pile barrette à fête. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, quel que soit petit tout Père de gloire, qui l'a dans le moment ça, qui t'a tendu des paroles au Seigneur Jésus. Pendant que ma prière en tant que serviteur, Seigneur Jésus, nous déclarer que puissance qui n'a parole là, qu'elle traverse la vie. Comment c'est prier, bon Dieu? Nous déclarer c'est pour gloire qui n'a parole là, Père de gloire, de traverser la vie. Seigneur, il y aurait été à tant des paroles. Et pendant que il y a tant des paroles, Père de gloire, moi senti qu'il y a béni. Moi senti que onction a traversé. Moi senti que l'esprit, au Père de gloire, l'a révélé des choses nouvelles. Seigneur, nous déclarer, Seigneur Jésus, même si on fait, nous connaît que nous c'est lumière. Mais Père de gloire, nous supposons briller dans le nom puissant de Jésus. Que parfois, nous qui dans la vie, nous Père de gloire, que nous gagnons dans nous-mêmes, Père de gloire, qui c'est lumière pour nous, Père de gloire, que nous capables de créer, Seigneur Jésus, ça, que nous capables de des imitateurs, des gens qui imiter, Père de gloire, ou même dans la vie, nous. Seigneur, nous voulons réellement que, Père de gloire, nous servons tout bon. Nous ne voulons pas, Père de gloire, pour que nous soyons des bluffeurs dans l'évangile. Nous parlons, Père de gloire, pour que Père de gloire, nous c'est des personnes qui juste à parler de où, Père de gloire, de nos lèvres, mais nos cœurs sont éloignés de toi. Seigneur, nous parlons ça. Seigneur, mais nous voulons réellement que nous capables de refléter le monde que vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus, Père, dans le moment ça, dans la génération ça, Seigneur Jésus, moi déclarer, Père de gloire, que y a des jeunes vraiment capables de lever pour vous-même au nom puissant de Jésus. Et Père, pendant que Père de gloire y a levé pour vous, Père de gloire, en puissance, en parole, en bénédiction, c'est pour lumière ça qui n'a eu à. L'onction de ta présence, Seigneur Jésus, qui n'a eu à, Père de gloire, c'est pour Père de gloire capable de lever. Lever. Car on dit dans le Seigneur Jésus, de la poussière, tu retires le pauvre. Du fumier, tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Papa, Seigneur Jésus, vous dites dans Paul au Seigneur Jésus, parfois, Seigneur Jésus, Dieu utilise les faibles pour qu'on fasse de l'effort. Même quand on comprend, Seigneur Jésus, faible, ça quoi parler, hein? Si on faible, Seigneur Jésus, qu'a utilisé par l'autre. Si on fait côté qu'un pile monde pense que le faible, mais le pas faible, vrai. Mais Seigneur Jésus, pour qu'on mette au même, pour que le Père de gloire, il est capable, Seigneur Jésus, de confondre l'autre monde. Même genre avec Jésus qui t'est paré, Seigneur Jésus, gros scribio t'a dit que, côté le sorti, est-ce que c'est pas petite Marie? Si Jésus ça, qui t'a pleuvé avec nous dans la zone là, est-ce que c'est pas lui-même, Seigneur Jésus? Mais Père de gloire, où t'es fait ouais par Jésus-Christ de Nazareth que des esprits impurs t'a chassé? Où t'es fait ouais par Jésus-Christ de Nazareth des hommes, Père de gloire, hommes boiteux, des lépreux qui t'a guéri, des choses à l'époque qui pas bien dans le moment. Mais Seigneur, puisque vous utilisez les faibles pour confondre les forts, vous utilisez les gens qui n'ont pas pensé que t'as rien, ou faire une kishoy. Dans moment ça papa chéri n'a que m'a servi. Dans moment ça Père de gloire côté que petite fille qui dans live ça. Mère et père de famille qui dans live ça Père de gloire. Yo gien un dossier devant. Dans le nom puissant de Jésus. Que lumière ça dans la vie dans le nom puissant de Jésus. Moi déclare kounya même que l'huile d'onction Seigneur Jésus. Li kounya même Père de gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le tomber sous tes yeux ça dans la vie et dans le nom puissant de Jésus. Que du feu ça, l'élever, que lever, que lever, que lever, que lever. Et au nom puissant de Jésus, pendant que du feu ça perd de gloire, la lever. Nous déclarons au nom puissant de Jésus, que tout ça qui est bloqué sous la vie, que jeune fils à nos mois, ça Seigneur Jésus, qui très, qui dépressible la perte de gloire. Que jeune fils à perte de gloire, qui t'est même voulu faire tête mal, qui n'enlève la couna même dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons, c'est pour l'onction de Dieu, au nom puissant de Jésus. L'élever, et au nom puissant de Jésus, c'est pour vivre. Même Jean parole, mon Dieu dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et me déclarer dans le nom de Jésus que la vie qui est Jésus-Christ, que le donne, que le bail la vie avec la vie ou dans le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, que tout côté dans le corps,
qui t'est faible, que toute partie en dedans qui t'est faible, que tout côté en dedans, que toute parole qui t'est dit sous la vie, toute parole qui part vient de l'Éternel, dans le nom de Yeshua Amashia, au nom de celui qui dit et la chose arrive, au nom de celui qui ordonne et existe, moi déclarer au nom de Jésus que tout tombe dans la vie et que toi tu élèves. Pendant que vous appelez parole, mon Dieu, pendant que vous apprenez parole, mon Dieu, moi déclarer c'est pour force qui dans mon Dieu, hein, c'est pour le rentrer dans la vie. Et à partir de moment sa jeune fille, jeune garçon, c'est pour bon Dieu m'en passer ensemble avec vous. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ça qui est fait dans la vie ou qui part vient de l'Éternel, qui part sorti dans mon Dieu, déclare au nom puissant de Jésus que le défaite. Et incapable de sentir dans le moment ça, des jeunes filles, jeunes garçons, mon Dieu a dit, mon fils, ma fille, prenez courage, car tes péchés sont pardonnés. Bon Dieu, dis-moi pour me dire, retournez ensemble avec lui encore, parce que lui a un projet sur la vie. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bon Dieu, dis-moi pour me dire, ou pas besoin de garder sous ça que t'es passé, yo. Ou pas besoin de garder sous ça que t'es passé, yo. Mais, Kounia, viens nous joindre. Que grâce, bon Dieu, remplisse Kounia même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit, bon Dieu, envahisse dans le nom puissant de Jésus. Et en tant que serviteur, mon Dieu, dans le nom de Jésus, m'a servi, hein. Même Jean, Jésus-Christ est dit avec homme paralytique, là, tes péchés sont pardonnés, qui symbolisait le côté spirituel. Déclarer que tout ça qui est dans la vie ou qui t'est bloqué spirituellement et qui t'est manifesté dans notre physique là, dans le nom puissant de Jésus, déclarer qu'il soit comme la balle, emporté par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Et à l'instant même, que ça qui est causé paralysie spirituelle, ça, que ça qui est fait qu'au paralysé spirituel là, dans le nom puissant de Jésus-Christ m'a servi, au nom duquel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans le nom puissant de Jésus. Que ça qui faut paralyser spirituel là, que le tomber au nom de Jésus. Dis-moi, déclarer dans le nom puissant de Jésus, que tout ça qui est causé me paralyser spirituellement, dans le ça, au nom de Jésus, déclarer que vous tombez. Dis-moi, déclarer dans le nom puissant de Jésus, encore une fois, que tout ça qui est mis en lèpre spirituelle sur la vie, moi, un esprit de honte, un esprit d'opprobre, un esprit d'humiliation, un esprit de déception. Non, le ça, au nom de Yeshua Amashia, me déclarer que vous tombez. Et me déclarer dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que tout ça qui t'est dit sous la vie famille, moi, qui parvient de vous-même, au nom de Jésus, puisque moi-même a prié, Père de gloire, me déclarer par grâce qui n'a moyen, dans le nom puissant de Jésus, que famille me libérer, que famille me délivrer, que même moi, parfois, Père de gloire, qui qu'on aime, qui ont libéré, qui ont délivré, que moi, qui aime, yo, Père de gloire, yo, libéré, et ont délivré, que yo, béni, Père de gloire, que moi, qui parle, ouais, yo, Père de gloire, yo, viens joindre nous, et que yo, repenti dans le nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur, grâce pour la vie, moi. Dis, Seigneur, grâce pour destinée, moi. Dis, Seigneur, grâce pour projet, moi, yo. Non, le ça, Seigneur, nous déclarer grâce. Dis, Seigneur, grâce pour projet, moi, yo. Grâce pour destinée, moi. Grâce pour la vie, moi. Grâce pour tout ça que m'y a besoin, au Père de gloire. Dis grâce. Et dans le nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur, tout ça qui veut bloquer la vie, moi. Tout mes spirituels qui veut bloquer la vie, moi. Dans le nom de Jésus, nous déclarer, yo, déprogrammer. Dis, dans le nom puissant de Jésus, nous déclarer, et moi, décréter, non, le ça, que toute programmation diable, t'es bien sous la vie. Que tout plan diable, t'es bien sous la vie. Déclarer dans le ça, que vous déprogrammez dans le nom puissant de Jésus par le droit de l'Éternel. Toute programmation de l'ennemi, dans le temps, dans les saisons, dans les mois, dans les jours, dans les heures, dans les secondes et dans les tierces de secondes, dit déclarer, yo déprogrammez. Tout ça que l'ennemi méchant te dit sous famille, moi. Tout ça que t'es dit sous la vie, moi. Tout ça que t'es dit sous projet, moi. Dans le nom de Jésus, yo déprogrammé. Dis-moi, déclaré, dans le nom de Jésus, que même ange ça, qui t'est débloqué, prier Daniel là, qu'il débloqué, prier moi. Qu'il délivre moi. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, déclaré, par parole qui a sauté dans la bouche, moi. Moi béni. Moi béni. Moi béni. La vie me béni. L'esprit me béni. Famille me béni. Dis projet, moi béni. Dis-moi, déclarer, la vie, c'est en lumière.
qui a brillé tout côté me passé. Dis Seigneur, au nom puissant de Jésus, que tout ça qui a privé sous vie moi, c'est ça que ou même d'accord pour arriver sous vie. Dis Seigneur, en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon, Seigneur, que des bagages pas d'accord pour arriver sous la vie encore une fois. Dans le nom de Jésus, Seigneur, moi vini à ou même, moi vini à ou même, prends la vie, Père de gloire, et fais de moi-même mon que ou voulez. Dans le nom puissant de Yeshua Amashia, dis-moi déclaré à partir de jeudi, c'est pour force mon Dieu, c'est guide moi, c'est force dans faiblesse moi, dans le nom de Jésus. Dis-moi déclaré à partir de jeudi, c'est pour parole mon Dieu, c'est pour l'esprit mon Dieu, c'est guide moi, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi déclaré à partir de jeudi, c'est pour tout ça que m'a fait, et dans la volonté de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi déclaré dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons que famille bénie, la vie bénie, foi bénie, que petit moi est béni au nom de Jésus. Et nous déclarons, sur quel que soit là, quel que soit monde qui est là, qui est petit ou malade, dans le nom de Jésus. Pendant que vous mettez une main sous tête Timon ça, dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que Timon ça guérit, que le béni et que le protégé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit maman qui est petite que l'hôpital dans le moment ça, nous déclarer, c'est pour Jéhovah Rapha, mon Dieu que m'a servi, mon Dieu qu'on guérit. C'est pour lui venir à l'hôpital, la kounia même, c'est pour lui mettre tout le monde ça sur deux pieds, dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ça que l'ennemi a été dit sur la vie petite, quoi. C'est pas ça que je suis posé réaliser. Non, c'est pas ça qu'on peut réaliser. Dis non, Seigneur, pas d'accord. Dis Seigneur, pas d'accord. Dis Seigneur, pas d'accord. Dis Seigneur, pas d'accord. C'est pas ça que l'ennemi a été dit sur la vie, qui est supposé réaliser. Mais c'est ça que nous-mêmes, ou t'es dit sur la vie, dès la fondation du monde, qui est supposé faire sur la vie. Dis au nom de Jésus. Moi pour Christ, et Christ pour moi. Dis non, le ça. Moi boire sans Jésus. Dis-moi bénir sans Jésus. Dis-moi nettoyer avec sans Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Et au nom puissant de Jésus, déclare c'est pour sans Jésus tomber sur le coup. C'est pour gloire, bon Dieu, briller sous au nom de Jésus. Et c'est pour lumière satan ou un jeune fille. Il commence à briller sous la vie de l'autre monde. Il commence à briller sous la vie de l'autre monde. Et que tout le monde vienne imiter la présence de mon Dieu qui n'en ouvre. Dis dans le nom puissant de Jésus. Moi béni. Moi béni. Moi béni. Moi béni. Moi béni. Et déclarer que toute bénédiction qui dans son 24, c'est pour accompagner la vie dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dans le nom de Jésus, pendant que pour ça vient dans la tête, dans l'esprit, moi. Quel que soit le monde qui sentit que la vie est finie, quel que soit le monde qui sentit que la vie est au départ finie, dans le nom de Jésus, c'est pour bon Dieu n'embaye sens avec la vie encore au nom puissant de Jésus. Que bon Dieu n'embaye sens avec la vie encore au nom puissant de Jésus. Que bon Dieu n'embaye sens avec la vie encore au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dis au nom de Jésus, ma vive, moi pas mourir, petit moi pas mourir, famille pas mourir, il n'a pas raconté mes veilles, bon Dieu. Dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, non, le ça, déclaré, c'est pour me vivre, c'est pour famille me vivre, c'est pour la vie, c'est pour me vivre au nom puissant de Jésus, c'est pour la vie, glorifier le nom de
de Jésus et me déclarer que toute sa bonne Dieu voulait sur moi, il a privé sous la vie. Dans le nom de Jésus, dis-me déclarer bénédiction en abondance sous la vie. Au nom de Jésus, dis-me déclarer dans le sa puissance mon Dieu sous la vie. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi déclarer gloire mon Dieu sous la vie. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi déclarer faveur mon Dieu sous la vie. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi déclarer richesse mon Dieu sous la vie. Dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que la bénédiction, mon Dieu, lui soulavez. Parole, mon Dieu, dit, si vous êtes docile, dans Ésaïe, 1er verset 19, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Déclarez, c'est pour manger les meilleures productions du pays. Au nom puissant de Jésus, que bénédiction, mon Dieu, rentre dans la vie. Dans le nom de Jésus, que puissance, mon Dieu, rentre dans la vie. Dans le nom de Jésus, c'est pour gloire, mon Dieu, rentre dans la vie. Dans le nom de Jésus, c'est pour sagesse, mon Dieu, rentre dans la vie. Dans le nom de Jésus, c'est pour déblocage, mon Dieu, bah là. C'est pour lui rentrer dans la vie, oh, dans le nom puissant de Jésus. C'est pour délivrer ce que mon Dieu bah là. Lui rentrer dans la vie, kounia même, au nom de Jésus. C'est pour liberté que mon Dieu bah là, jeune fille, jeune garçon. Lui rentrer dans la vie, kounia même, dans le nom de Jésus. Et me dit merci, Seigneur, merci. Dis merci, Seigneur. 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 Et recevoir sa commande en Kounia même, dans le nom de Jésus. Recevoir. 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 Ou même que la vie n'a pas de sens pour vous. Mais à recevoir sens que mon Dieu baille avec la vie en Kounia même. Dans le nom de Jésus. Que pendant que vous allez dormir, je dis, dans le nom puissant de Jésus, pour recevoir une révélation dans la vie. Pour montrer que Jésus-Christ est mère. Et que bon Dieu n'a parlé ensemble avec vous, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que vous-même qui malade, que pendant que vous allez dormir à soi, ou des anges qui viennent faire l'opération, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'esprit de la guérison, l'esprit de la libération, c'est l'esprit qui vivifie, et la chair ne sert de rien. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, dans le nom de Jésus. Déclarer Zamy Louis Chantal béni, Roseland Pierre béni, écrivons-nous, Roseland Pierre béni au nom de Jésus, Marvin Jean-Jean au nom de Jésus nous béni, au nom de Jésus, écrivons-nous, dans le nom puissant de Jésus, déclarer la vie au béni, déclarer Frem Suemio béni, Petit Pierre Francis béni, Cassandra Francis béni, Betsaleel Francis béni, Marvin béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Camilla béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Medine béni, que gloire bon Dieu couvre dans le nom puissant de Jésus, Betsaleel Francis béni au nom de Jésus, que présence mon Dieu envahie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour foyer béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour l'esprit mon Dieu rentrer dans foyer, rentrer dans madame moi dans le nom puissant de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus, Woodline Pierre ou béni, gloire bon Dieu rentrer dans la vie, que tout ça qui est bloqué au nom de Jésus sans effet, Gethine Delbois, que gloire mon Dieu rentre dans la vie, que tout ça qui est bloqué au nom de Jésus sans effet, yo campé au nom de Jésus, Naomi la guerre, que gloire mon Dieu rentre, puissance mon Dieu envahie dans le nom puissant de Jésus, et que bon Dieu n'a pas ensemble avec vous. Roselyne Pierre, c'est pour gloire, mon Dieu rempli, et que puissance, mon Dieu, passe avant au nom puissant de Jésus. Zami le Chantal, c'est pour bon Dieu maintenant, c'est pour bon Dieu maintenant, fait qu'il est content, c'est pour bon Dieu maintenant, fait qu'il est content, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, dans mon sa père de gloire, on déclare que Mylène Romain béni, Jean-Évie Romain, au nom de Jésus, Rachel Romain, Ruth Romain, Sophonie Romain, dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, que bon Dieu maintenant, arrivé côté au Kounam, dans le nom puissant de Jésus, on déclare, c'est pour Amael, Tamayel, au nom de Jésus, yo béni, au nom puissant de Jésus, Vence, Nathanaël, dans le nom de Jésus, Esther, Daphnica, Sandrine, Ruth, Brunia, Badjo, que gloire mon Dieu remplie au Kounia même dans le nom puissant de Jésus, que la famille Francis bénie, que la famille Francis protégée et bénie au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, dans le ça, dans le nom de Jésus, déclaré, c'est pour la vie au bel nom Jésus, c'est pour Naomi la guerre bénie et protégée dans le nom de Jésus, Hector Fritzil, c'est pour bon Dieu nom bénie et protégé dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, écrivons-nous, dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, vous Pierre, ou béni au nom puissant de Jésus. Télé Jean-Baptiste, Rich Schneider, au nom de Jésus. Gay Jean-Baptiste, dans le nom puissant de Jésus. Odmia, que gloire, bon Dieu, remplis-nous. Et bénis-nous dans le nom puissant de Jésus. C'est pour nous, avec gloire, bon Dieu. Que tout ça qui est bloqué sous la vie, nous, dans un moment, ça. Dans le nom de Jésus, yo sans effet. Que l'église moi est bénie. Bishop Nicolas ou Missile béni. Que chaque paramètre dans l'église moi est béni. Dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Que gloire, bon Dieu, bénis-nous.
Dans le ça, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ça qui est bloqué l'église, moi, au nom de Jésus, il est débloqué dans le nom puissant de Jésus, que la vie nous symbolise, montrer que Jésus-Christ est Seigneur, dans le nom de Jésus, dis-moi, déclarer moi béni dans le nord, moi béni dans le sud, moi béni dans l'est, et moi béni dans l'ouest, que tout ça qui t'a dit sous la vie, moi, qui pas vient de l'éternel, dans le nom de Jésus, déclarer, qu'il soit comme Nabal, emporté par le vent, et que l'ange de l'éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'éternel les poursuive. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma passée, dis Seigneur, dans le nom de Jésus, déclarer, quel que soit porte qui t'est campé devant, quel que soit porte qui t'est fermé devant, Kouna même dans le nom puissant de Jésus, déclare que porte ça a pété à toute chambranle, que le racher, et que moi-même, moi, passer dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi passer au nom de Jésus. Dis-moi passer, famille passer, destinée passer, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jean-Baptiste Audelet béni, au nom de Jésus. Dis-moi passer dans le nom puissant de Jésus. Moi, passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare que Samantha béni et protégée, que gloire bon Dieu remplit aux jeunes filles. Dans le nom puissant de Jésus, que gloire bon Dieu remplit au nom de Jésus. Dis ma passé, ma passé, ma passé, ne pas prêter la route, ma privée côté que bon Dieu devrait que moi arrivé à ma privée à destination au nom de Yeshua Amashia. Dis me déclarer que la vie belle dans l'évangile, c'est pour me faire l'évangile, c'est pour me purifier la vie, c'est pour marcher dans sanctification dans le nom de Jésus. Dis vive Jésus dans moi, dis Jésus pour la vie moi, dis Jésus c'est la vie moi, dis Jésus c'est tout moi dans le nom de Jésus. Dis me déclarer les marcher, c'est pour gloire bon Dieu couvrir moi, c'est pour ange bon Dieu à côté moi, c'est pour bon côté moi, c'est pour camper bon côté moi, et au nom de Jésus, que tout ça que me va faire, c'est pour ange bon Dieu entourer moi, entourer famille moi dans le nom puissant de Jésus. Dis ma privée à destination, tout ça que va bloquer ma route au nom de Jésus, me déclarer c'est pour bon Dieu maintenant. Prêtez mon char, nos chars liés, et que au nom de Jésus, me passez sous tête ennemie maintenant, dans le nom de Jésus. Parole, mon Dieu dit, les chars de l'éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers, dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, nos chars liés, prêtez mon bel chaladao, dans le nom de Jésus, me passez sous tête ennemie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tout ça que pas de même avancer, dans le nom puissant de Jésus, m'a avancé, dans le nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, gloire, mon Dieu, li autour de moi, li en bas moi, li en l'air moi, li à côté moi, li dans nord, dans sud, dans l'est, dans l'ouest, au nom de Jésus, dans nord-est, dans nord-ouest, dans sud-ouest, dans sud-est, au nom de Jésus, dis-moi béni, moi béni, et moi béni, moi béni, au nom de Jésus. Seigneur, nous merci pour la vie, au Père de gloire, merci parce que nous avons passé ce moment ça, dans la prière et dans l'enseignement de ta parole. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, écoutez Père de gloire, et au pralé, Père de gloire. T'en prie, moi, accompagner avec eux. Dirigez et guidez vous, Seigneur Jésus. Père de gloire, moi, je crois que vous avec eux. Et Seigneur Jésus, moi, je crois que vous avez témoignage dans le moment ça. Que mon Dieu bénisse nous dans le nom de Jésus. Que mon Dieu bénisse nous et que la vie nous capable de symboliser mon Dieu. Gloire à mon Dieu qui nous la vie nous. Pas oublier, nous sommes petits, mon Dieu. Nous va petit sans galop. Mon Dieu qui nous a servi, c'est lui-même qui a délivré nous. Que mon Dieu bénisse, on s'est dit avec vous-même. Pasteur Peter Saint Francis, les amis, les frères, maestro, c'est pasteur, serviteur, nous l'avons capable de prier, et nous croyons que bon Dieu est avec nous. Il est avec Gretchen, il est avec nous toutes, il est avec nous toutes net, c'est pour nous toujours bénir. Pas jamais oublier. Si vous avez oublié fait, pas jamais oublier ni parole pour Dieu. Sois béni, faith, que bon Dieu bénisse, quitte les Bruno, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse, que gloire bon Dieu couvre. Que gloire mon Dieu couvrir, que gloire mon Dieu couvrir, que mon Dieu avec nous, que mon Dieu avec nous. Pas oublier, vous-même, qui beaucoup abonner avec page là, fait ça, et partagez-le, aidez-nous capables, fait page là, avancer, et pendant que vous partagez-le, écrivez un petit mot, dis au vintant des paroles, mon Dieu, et pas oublier, abonner. Que mon Dieu bénisse, moi, j'aime nous en pile, et c'est toujours un plaisir pour moi, pour que je suis capable, toujours là, ensemble avec nous, pour m'aider dans ma chrétienne. Soyez bénis, et pas oublier que, et série de prières ça organisée par l'église Tabernacle la voix de l'évangile qui est dirigée par Bishop Nicolas Omissil, et nous-mêmes nous capables de charger responsable prière ça dans le nom puissant de Jésus. L'église ça est située à Boston. C'est une église qui a pédé en pile monde, et dans le nom de Jésus qui a pédé en pile monde.
Que bon Dieu bénisse nous et que gloire nous soit couvre nous. Encore une fois, ou même, et alléluia, ou même qui beaucoup abonner ensemble avec nous, qui beaucoup fait partie de groupe là, qui beaucoup fait partie de groupe là, m'a mettre le numéro moi, écris-moi pour que me mette au sous groupe là. Grave écris-moi. Même gens, nous prions avec un pile monde. Nous prions avec un pile monde et que mon Dieu capable bénir nous. OK, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. OK, moi mettez le numéro. OK, nous capable écrire moi sur lui et que mon Dieu capable bénir nous. OK. Allez en paix avec la puissance de l'Éternel et n'a revoir encore demain, Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus.